Ouais, tu me penses à me changer. C'est bon par où ça passe. On arrive 2 secondes. T'es sûr? Il va venir de ton arbre comme hier soir. En français? On a encore des gens, Kelvin. Test 2. Reçu. Tout est bon. Ouais, ça c'est important ça. Ouais. Bonjour à tous, bienvenue sur Springfellow TV. Je n'ai pas de caméra pour l'instant, ce qui est tout à fait normal parce que elle vient d'apparaître maintenant. Normalement, eh ben non, il y a un problème. C'est super, j'adore, je kiffe quand ça déconne. Alors encore OBS qui me fait des ciels. Bon bah c'est pas grave, on verra ça plus tard. Bonsoir tout le monde, bonsoir, bienvenue, désolé pour hier soir de ne pas avoir streamé, j'ai pas pu, merci Free de m'accorder cette Free Collection, ça fait super plaisir. Bon, sinon, quoi de neuf sur ALF? ALF actuellement a un nouveau bureau, le bureau Roleplay, comme vous avez pu le voir sur le TeamSpeak de Altis Live France. Un nouveau bureau vient de voir ses portes ouvertes et je suis l'heureux créateur de ça. Coucou tout le monde, bonjour à tous, bienvenue à tous sur le streaming de Springfellow. Merci aux 350e follower de cet après-midi, Yann63, merci à toi, ou Yanis, je ne sais pas, YNS63, merci à toi de nous avoir rejoints. Je vais essayer de régler le problème de webcam rapidement. Merci OBS. Merci de ta réactivité, de nous rendre le stream tellement simple, tellement facile que tu nous fais rêver. Bon allez, place au RP, place à ALF. Amusez-vous bien. Moi, je vais tout faire pour vous amuser. Merci, à tout de suite, bon live. Et c'est parti pour le streaming. Elle est Tarlouse.
Oh les tarlouses! Ouais, commandant, ouais. Putain les gars, ça fait 5 minutes que je vous regarde, que je vous observe, vous êtes vraiment des grosses merdes! Merci beaucoup, comme toi, hein. Merci du compliment. Mais merci le sang. Normal, c'est Viper, hein, mon commandant. Bah ouais, mais c'est ça le problème, justement. C'est ça le problème, Mike. C'est pas... Ça va, Mikey, quoi? Mikey la fronde. Ça va, ça va. Si, ça, moi, si, tout, si tout le monde serait comme toi, ce serait tellement facile. Olé! 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 Bon, les tarlouses. Par contre, Douglas, je t'ai vu, c'est de mettre ton pied, hein, fais gaffe. Bon, les tarlouses. Félicitations, vous êtes nombreux, ça me fait plaisir. Quelqu'un, une, enfin une équipe efficace. Ta gueule. Allez, passage canal 6. Bon, félicitations les Vipers, vous êtes nombreux, vous êtes des killers, vous êtes les people, vous êtes les best-sellers, vous êtes les subscribers, vous êtes mes héros, vous êtes des nuls à chier. Ouais, je vous ai donné le poisson, mon commandant. Ta gueule. Ah! Enfin! Oui. Mais respect quoi? Commandant. Mon commandant quoi? Ah, Vini. Préféré. Saute dans l'eau. Mal-toi le cul, saute. Voilà. Mike Bellic, félicitations, bienvenue. M'en fous. Ivar, bienvenue, ouais, bravo. Jura. Ouais, quoi. T'as cru que t'étais une exception dans le groupe? T'es qu'un putain de brigadier de merde, si t'es viré demain. Odor, bienvenue, bravo. Kelvin, bienvenue, bravo. Maxime, bienvenue, bravo. N'Golo. J'espère que... Quoi, N'Golo? N'Golo. N'Golo. N'Golo Kanté. N'Golo Kanté. Ta gueule, je parle. N'Gogo. N'Gogo. Non mais c'est pas français ça d'origine. Si. Ah bon. N'Dogo. N'Dogo Douglas. T'es viré. Vini, bravo. Octavia, toujours aussi belle. Pierre Dumas avec un Z. Et notre dog préféré, bravo. Bon, messieurs, vous êtes une équipe de choc. Malheureusement, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle par laquelle je commence. La mauvaise. Je vous quitte jeudi. Yes. Ça reste personne. Et du coup, c'est quoi la mauvaise nouvelle? Et la mauvaise nouvelle, t'es viré. Non, mais du coup, la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, je m'en vais. Et la mauvaise, bah, je m'en vais. Voilà, bon allez, on se casse. Génial. Mais le dispatch. Super. Est-ce que vous avez des poissons avant qu'on parte? Oh non, mais c'est bon, j'en ai déjà 50 des poissons, c'est bon, vous allez pas me faire chier, j'ai l'impression de sentir ma bite à chaque fois que je vais pisser. Alors, Kali Bellic. Kali, tu vas venir devant tout le monde, tu vas te présenter s'il vous plaît. Ah ouais. Allez, c'est parti. Ouais. Je vous connais pas, madame. Non, mais devant moi en fait. Parce que c'est à moi que tu te présentes en fait. C'est ça que t'as pas compris. Moi aussi. Allez, vas-y, c'est parti. Je sais pas où vous êtes. Me présenter. Bah, tu te présentes. Dis qui tu es, qu'est-ce que t'as fait dans la vie, quelles sont tes ambitions, tes motivations, enfin la totale quoi. Bonjour, je m'appelle Kali Bellic. Bonjour Kali. Ouais. Je suis mariée à Odor Bellic derrière moi. Désolé. Si, pour toi, c'est un gardien qui vous a marqué de but. J'ai un fils, Mike Bellic, qui est aussi. Oui, c'est moi. J'ai intégré la police parce que, en tant que magistrate, je m'occupais de la paperasse. Non. Alors, c'est pas parce que tu étais magistrate que tu remplaçais la paperasse. Tu as eu le malheur d'être magistrate. Oui. Répète après moi. Tu as eu le malheur. Donc, du coup, je ne connaissais rien au métier de policier. Et du coup, je me référençais. De par les actions de Dédé. Répète après moi. T'es en train de te foutre de ma gueule là? En fait, Dédé, c'est le. Saute.
Sache, Kali, que je suis le premier homme à poser le pied sur le champ de bataille et le dernier à l'enlever. Alors recule. Ah, pas sûr, c'est... Voilà. C'est pour ça que mes hommes ont confiance en moi. Est-ce que vous avez confiance en moi? La confiance. Ouais, pour ça qu'il est toujours en écho. Ok, vous sautez tous dans l'eau, allez manier vos cul. Allez, sautez. Le premier qui saute pas, il est abattu. Allez, hop, on saute. Voilà, allez, saute. Oh, putain de merde, je vais vous apprendre le respect, moi. Le respect, c'est moi. Le respect, c'est vous. Je suis votre papa, je suis votre raison de vivre. Là où je vais. Putain, saute, toi. Je suis fait, toi. Putain, le respect, c'est moi. Vous avez compris? Je suis votre père. Là où j'irai, vous irez. Et tant que vous irez nulle part, ben, j'irai nulle part. Maniez-vous le cul. Je bloque, il va se noyer. Si, si, je vais régler le problème, Hugo, t'inquiète. Douglas, il va se noyer. Bah, en silence, Douglas. N'Golo, nage. Mais c'est pas nager. Il a pas coulé. Allez, il a pas de couler. Kali, le respect, ça s'apprend et ça se respecte. Et mon commandant. Le respect, ça se préféré. Ouais. Préféré. Mon commandant préféré. Ta gueule, Jorah. Et mon commandant préféré. Voilà, c'est ça que je veux voir. Bon, qui c'est le plus gradé? Ils sont où les autres là? Maniez-vous le cul, les pingouins? Vous avez cru que l'eau était glaciale, que vous allez ramasser du poisson? M'en fous, hein, maniez-vous le cul là, bordel de merde, ça traîne, c'est comme en action ça. Quand il y a le feu de l'action, vous êtes toujours les derniers à intervenir, c'est normal. Vous êtes trop lent, vous êtes des pingouins. Allez, N'Golo là, on se manie, Kelvin, on se manie, Octavia, on se manie. T'es pas en soirée là, Octavia, avec moi là, c'est pas pareil là, on prend pas notre temps, tu vois. Allez, on se mine, bordel de merde. T'as failli mourir? Quel dommage. Allez. Bon, messieurs, la France va mal. Va mal. Altis va mal. Ah, pas en France. Je viens d'apprendre, il y a quelques instants, parce que j'ai pris ma soirée de repos hier, j'ai appris que la Rampage voulait conquérir l'Est. Ouais, enfin, c'est un moment quand même. C'est vous. Ils ont pris 8 policiers en otage. Maintenant. Ils ont pris 8 policiers en otage. Heureusement, nous en avons 2 qui ont survécu. Donc des renseignements sont venus. Et nous? J'ai également appris... Détalez-vous. Que... Il y a un casino qui a ouvert. Ouais. En face de l'aéroport. Donc, j'interdis tout policier... à jouer à de l'argent en service, sauf lorsqu'il est avec moi en équipe. À condition que je récupère 50% de sa mise. Bref. Si on perd, c'était ça la bonne et la nouvelle. Si vous perdez, vous démerdez, les gars, c'est pas mon problème. Bon, l'équipe doc, vous êtes est composée de qui? De Redfield et après, voilà, bah Redfield, tu te mets de côté, s'il te plaît, tu prends qui tu veux ou le volontaire qui voudra. Mon commandant. Oui. Non, je couche pas le premier soir. Ensuite, hein, qui c'est qui veut aller avec le doc? Dommage, j'étais tout seul. Tout est ok, personne veut aller avec le doc. Donc, Armstrong, Graham, Pique et Pique et Colligram. Si c'est pas toi, ce sera lui. Et si c'est pas lui, ce sera toi. Ou lui. Ah, quel dommage, Kelvin. Allez, c'est parti, tu vas avec le doc. Yes. Ok, le plus gradé, Dumas, tu félicitations, tu es le lead de ce soir. Allez, tu crées les escouades. Merci. Ah non, on va soigner les gens. Odor. Comment je t'ai niqué? Ça va prendre. Dumas. C'est qui parle? Moi, je suis ouais. J'ai vu avec Oka et du coup, il m'a mis en écho. Du coup, s'il y a assez de monde, est-ce que c'est possible d'être en écho? Non, putain, ok, ça marche, je vais voir ça. Ça marche. Donc, Odor, tu seras alpha avec Cabino. Avec Cabino. Avec Cabino. Allez, non. À un moment, j'espère que t'as bien parlé, Cabino. Mon adjudant. Oh putain, c'était super rapide. Vous avez pas d'impôts sur les squads fixes encore? Non, je t'en parlerai tout à l'heure. Vini, tu seras bravo. Tu prendras Kali avec toi. Et tu prendras. Il y a 2-3 trucs qu'on va encore modifier. Attends. Ouais, avec Kali avec toi. Parce que je suis équipé en Charlie, mais comme jamais. Je suis équipé en Charlie. J'ai beaucoup de nuages aujourd'hui. On a plus. Octavia, tu passeras avec le commandant en écho. Monsieur. Ça y est, ça marche. Douglas, désolé. Vous
avec moi, Charlie. Désolé à tous, j'avais un petit problème de webcam, voilà, fallait que je la débranche et j'ai rebranché. Bienvenue à tous, merci. Je vais en profiter vite fait pour vous dire bonjour du coup avec la cam. Salut Cédric, quel beau gosse. Cédric, c'est un super prénom. C'est un prénom que j'aime bien beaucoup, je sais pas pourquoi. C'est quelqu'un que j'aime bien déjà d'avance, tu vois, tu viens d'un appel de follow que je t'aime déjà. Salut Cédric et bienvenue à toi. Donc là, donc Douglas, tu seras chef d'équipe. Je t'invite également à nous rejoindre sur Discord et sur YouTube pour revoir les gameplays, les lives que tu as ratés avant de follower cette chaîne magnifique et splendide avec cette belle communauté. Oh là là, salut Alex, bienvenue à toi, merci, merci, merci à toi également. Ouais, salut fiston Mikey, ça va ou quoi? Allez, je suis avec qui moi? Vous êtes en déco. Oh merde. Ouais, je sais, je sais. Vas-y, touche-moi les pecs un peu. Octavia, touche-moi les pecs un peu. Ah, mais je voulais toucher moi. Allez, vas-y, touche. Attends, vas-y, vas-y, touche. Allez, ouais, c'est ça, ouais. Ouais, les gars, profitez-en. Allez, vas-y, ouais. Octavia, fais-toi plaisir, merde. Allez, hop. Oh, merde, t'es chiante aussi, toi. Oh, ta gueule. Oh, c'est bon, tu veux pas toucher, je parle pas. Est-ce que vous savez ce que ça fait une grenade dans l'eau ou pas? Ma batte. Bah vas-y, montre. Oh le con. Non, fais pas ça. Bon allez, c'est parti Viper là, canal 2. C'est parti Viper, canal 2, canal 1 pour les opérations et naturellement canal 6 pour m'appeler personnellement. L'ange et code, on s'en fout. Jean, vous avez un 06 Jean. Ouais, j'ai un 06 mais il y a ça. Que Octavia qui l'a. Ah ouais, ok, d'accord, non, c'est pas vrai, je l'ai. Quoi? Oh, il est gros ton truc. Pour tous les Vipers, on se retrouve devant la méga et on se met vraiment en position pour partir. Tu veux voir le mien ou pas? Alpha. Quoi? Bravo. De toute façon, il y a le général SQ là. Et alors? Ah, bonjour, général, vous allez bien? Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Je t'attends devant. Je te rappelle, je suis fiancé à la madame. Pardon? Fiancé à la madame, je te rappelle. Je vois pas ce que... Je vois pas que vous parlez. Tu vois... Coucou, toi. Coucou. Oh, coucou, t'as... Vous avez un VL pour écho ou pas? Ouais, mais c'est bon, j'ai compris. C'est bon, t'inquiète. Tu veux quoi comme VL? Une Tesla. Alpha, j'attends vos points sur quoi? C'est moi qui ai conduit. Une Tesla. Affirme. Tu veux une Tesla? Bah, j'en ai pas. Ah si, dis donc, regarde. Oh putain, là, bah, j'ai une Tesla. Mais du coup, je suis avec qui, moi, en fait, là? Avec moi. Non mais t'es sérieux là? C'est Octavia en écho. Ah putain ouais. T'as c'est vrai en plus. Ça va être. J'ai pas de trousse, t'as une trousse? C'est qui là à côté de toi Octavia? Non. T'as pas de trousse? Non mais on va en chercher une. Oh putain, il faut de toute façon faut que j'achète une radio et tout. Ah! Mais descendez pas comme ça. Ah bah, c'est ça si j'ai envie, merde. Ça c'est le doigt du monde. Bonsoir, je te trouve beau comme un aquarium aujourd'hui. Merci, merci, ça me fait plaisir Jess. T'y verrais. Merde! Vous trouvez pas que je suis vos gosses aujourd'hui quand même? À part le spot là, mais sinon ça va. Il faut quoi d'autre? Bonjour à tous, merci à tous d'être présents encore. Vous êtes très nombreux ce soir, merci beaucoup les gens! Pour tous les Vipers qui sont dispo, on part direction Kavala, on va faire un peu de contact avec la population en attendant tout le monde. Alors si j'entends... Alpha. Si j'entends pas tout de suite, c'est normal les gars. C'est parce que je regarde pas forcément le chat. Sachant que vous êtes... Coucou Baxter, comment tu vas? Salut, bon bah allez, je recommence depuis le début. Salut Tefi Papi. Salut Omega Farmer. Salut Matt. Salut Blobs. Salut Fifou. Salut Matt. Oh, la place, ah non, salut Hugo. Toujours les mêmes. Salut Lolo Barjo, comment tu vas? Salut, t'es dans la police? Oui, je suis dans la police. Salut à toi Lolo Barjo, oui, je suis commandant dans la police. Je suis un des plus gros gradés de la police d'Altis. Voilà, qui fait tout et n'importe quoi. Alors, ça, tu vas le découvrir à force de regarder les lives. Salut Narilo, salut Jess, salut à tous. Mais écoutez, bon live à vous. Voilà, bienvenue au nouveau. Bon live à tous. Amusez-vous, éclatez-vous, faites des commentaires si des choses ne vous vont pas, n'hésitez pas, c'est fait pour et Discord, et fait aussi pour les suggestions, car naturellement, sans vous les viewers, le streaming n'existerait pas. Tout à fait, Scott. Voilà, c'était le moment
Sérieux. Bon allez, pourquoi tu... Salut toi. Allô? Ouais, plus de thunes de toute façon. Tout à pour Scott, je suis à la méca. Pourquoi j'arrive pas à courir? Je sais pas, c'est encore trop lourd à mon avis. Ah oui, j'ai la trousse. C'est vrai. Toujours fidèle. Bah ouais, ça me fait super plaisir votre fidélité, les gars. Franchement, vous assurez un max, rien que tel que la fidélité. Mérite, bon, commandant. Salut fiston, qu'est-ce que ça peut te foutre toi? T'es de la police? Bah oui, je suis recrue. Ah, bah tiens. Oh, désolé, je savais pas. Aïe. Vu. Excuse-moi, j'ai glissé. Ça va ou quoi? Vite, un ouais, pansement. Ouais. Bon, ça va, Tota? Chante-moi une chanson, Tota, là, vite fait, là. Je voulais que je vous chante, commandant. Je sais pas, moi. Un Pokora, par exemple. Oh là là. Je ne veux plus que le monde. Monde. Ouais, tout ouais, vas-y. Autour de toi. Je ouais. Veux plus que le monde. C'est pour toi, Octavia. Tourne autour de toi. Ouais. Voilà. Ouais, merci, Tota. Tu gères contre, à mort. Scott, il m'a oublié. Ah, bah, tu l'appelles. Bah, ils vont pas radio. Allez, on se casse. À qui? Oh, monsieur, il est tout seul, je l'emmène, hein. Moi je suis tout seul aussi. Ah, bah, allez-y, moi j'ai rien fait de vous plaisir, c'est une jeune en plus, c'est un petit jeune. Oh, pardon. Ah, quoi? Attention, toi. Quoi, attention? Eh, oh, je suis commandant, tu me respectes, d'accord? Code pour Tota. Voilà, qu'est-ce qu'il y a? C'est qui le patron? Le général ou le commandant? Avant que je ferme. Ouais, sortez, merde, avant que je ferme. Allô? Allez, on ferme. Tout vous êtes beau, général de la sécurité civile. Mmh. Ah. Voir votre sac. Oh, un défibrillateur, je peux le prendre? Alors, non. Oh, allez, vite fait. Pas vraiment, sinon on sert à quoi? Bah là, on se casse, je vais voler. Mais on se casse, on se casse. Y aller. J'ai plus envie de te parler. Pour Scott. Ah, les problèmes cerveau de cavale. Comment on fait? All-in. Ah bah, tu fais all-in. Tout simplement, non, tu fais point d'exclamation roulette all-in. Oh pardon. 3, ils sont 30, avec un point d'exclamation. Demande Omega, il perd tous ses points à chaque fois. Est-ce que je pourrais avoir les clés, mon commandant? Non. Parce que... Non, parce que si je te donne les clés, tu vas venir chez moi ce soir et j'ai peur. Non, mais de la voiture. Ah, pardon. Je crois que tu parlais des clés de chez moi. J'ai mis une trousse à outils et mon bébé. Ouais, moi aussi. Je pensais que tu parlais, des clés de chez moi en fait. Oh non, vous inquiétez pas. Oh, je m'inquiète pas, hein, tu sais. Entre toi et moi, c'est une grande histoire en fait. Maintenant qu'on est privé, j'ai bien vu tes petits messages. Arrête de caresser ma cuisse comme ça. Arrête de caresser la cuisse comme ça. Arrêtez, mais j'ai rien fait. Arrête. Octavia, arrête de me caresser s'il te plaît. Arrête. C'est pas parce que je suis commandant qu'il faut que tu me caresses. Oh, cette histoire entre toi et moi, Octavia, c'est quelque chose quand même. Hein. Ça a jamais commencé, mais ça s'est jamais fini en fait. Hein? Est-ce que ça commencera un jour? C'est pas une folie si un jour tu as affaire à moi, regarde sur les montagnes, moi je suis avec ma femme. Oh, de toute façon. Lol, Jess, tu me fais déjà rire. Bonjour peuple. Bonjour, Byron. Bonjour peuple, qui me dit lui. Il s'est cru le roi de la chaîne quoi. Bonjour peuple. Ouais, c'est vrai que t'as jamais osé me dire que tu me kiffais en fait. Pourquoi? Moi? Ouais. Arrêtez de m'embarrasser, s'il vous plaît. Bah je t'embarrasse pas, mais faut dire des choses. Maintenant on est en privé, tu vois, on est en voiture électrique, tu vois, on est au courant. C'est rigolo ça, non? C'est marrant. Il y a un grand courant qui passe. Bah ouais. C'est bizarre. Pourquoi? Moi j'ai jamais dit que je vous détestais. Hein. Salut Bloody, bienvenue à toi, merci d'avoir follow la chaîne, mon petit ami, bienvenue à toi. Tu peux aussi nous rejoindre sur Discord pour les jeux communautaires, sur YouTube pour avoir les lives. Bienvenue à toi Bloody, bienvenue à toi. Ah, bon, si, je n'ai jamais dit que je te détestais, au contraire, je te kiffe. À ce point-là? Ouais, je te kiffe Octavia, franchement je te kiffe grave. Pourquoi? Pour quelle raison? Bah, je sais pas, t'as les cheveux rouges et t'as des lunettes. Ouais. Et parce que tu conduis bien. Ça, voilà. C'est vrai. T'es souple, tu vois, t'es pas comme agressif comme Kelvin Sneed ou Odor Bellic qui servent à rien en fait. Tu vois, toi t'es quelqu'un sur qui on peut compter, tu nous soignes, tu prends soin de nous.
Et moi, j'aime bien les gens avec du tempérament. En plus, t'es une femme, donc ça passe mieux, tu vois. Bah, j'ai toujours été comme ça. Bah ouais, je vois ça, ouais. Même le général de la sécurité civile, il te kiffe. Mais il a jamais osé te le dire, en fait, Taylor, il te kiffe. Ouais, il était triste quand t'es parti. Hein? Ouais, je sais qu'il était très triste quand je suis parti de la sécu, il m'a dit plein de fois. Ouais, vous êtes en couple en plus, non? Sur l'île. Ouais. Ouais. Bah, sur l'île. J'aime bien la précision, tu sais, sur l'île. Bah quoi? Bah quel continent? Tu parles de quel continent là? Ah, ma ouais, vie elle est ici, sur Altis en fait. Non mais avant de venir sur l'île. Oui, avant, ouais, avant de venir sur l'île, j'étais sur le continent. Mais du coup je suis parti du continent pour arriver sur l'île. T'es bizarre, Octavien. Du coup mes sentiments s'envolent. Non. J'ai plus envie de te parler. Salut. Salope. Quoi? Octavien, c'est une salope. Mais revenez. Salut. Octavien, c'est une salope. Wow. Oui, salut, ça va? T'as un gros trou dans les mains quand même. Dans le dos aussi. Ah ouais, regarde, moi aussi. Hop là. Attention derrière vous, il y a... une protection rapprochée, effectivement. Bon bah d'accord, dans ces cas-là... Honor. Honor. Faut vraiment que t'enlèves ta perruque, hein, parce que je vais te raser la tête. Hein. Mais vous parliez d'avoir une personnalité et tout, mais c'est ce que je fais. Non, t'as pas de personnalité, là, t'es ridicule. Bah justement, en fait, pour ta le... Ta gueule. Ah ouais, c'est pas mal. Bon. Allez, sur ce, messieurs. Sur ce, bonne journée, messieurs, j'ai un commandant qui me rappelle. Désolé, j'ai pas le temps de parler au civil, apparemment. J'ai jamais dit que t'as pas le droit de parler au civil. Pas avec les cheveux. Je sais. Je sais. Je sais pas pourquoi ça vous dérange. Ils sont beaux, ils sont soyeux, ils sont très bien réunis. Mais c'est où? Allez, pour tous, on est reparti. Désolé, mon petit Vaïron, j'ai dû te l'enlever, mais j'ai pas fait exprès. Donc. Parce que j'ai remis à jour les grades, et du coup, vu que t'es. Je sais plus pourquoi. Je sais plus. Mais on va te le remettre. T'es bien abonné, Vaïron. Mais du coup, mon commandant, si j'ai bien compris. Je rappelle pour tous les binômes, un binôme est indissociable, donc je veux voir personne séparé à plus de 20 mètres sur un binôme. C'est reçu. Blablabla. Bravo. Reçu. Si t'as bien compris quoi? Du coup, nous, on doit se... si on est en fight, on doit s'occuper des snipers qui sont sur les montagnes, c'est ça? Oula. C'est bien. Tu comprends vite, mais bien. Ah ouais. C'est pas mal. C'est ce qu'il faut. Deux litres pour tous. Ce soir, on reprend la même technique qu'hier qu'on a essayé de mettre en place de la tenaille pour appréhender une ville. C'est pas de la pub, hein. Je fais surtout pas de pub. Tu. Bon, on doit s'occuper des snipers. On prend. En fait, on vient derrière eux et on les baisse comme ça, en fait. Tu vois? On fait la tenaille. Ouais, avec une Tesla, c'est. C'est top. C'est impeccable, exactement. À la sœur de Jack Brett. C'est qui la sœur de Jack Brett? C'est toi, Octavien? C'est qui la sœur de Jack Brett? Vous êtes trompé de personnalité, veux recomposer votre numéro s'il vous plaît. Je vois pas du tout de qui tu parles en fait. Ah bah super Doc, super. Doc. Wow. Ah, ils ont créé un barrage. Salut Trunks, bienvenue! Merci d'être là, merci d'être présent, comment vous allez tous? J'avoue, t'es trop musclé, mec! Eh merci! Tu t'appellerais pas genre Thanos par hasard? Bon, j'ai aussi une autre nouvelle RP, c'est que. Je vais quitter Viper jeudi. Voilà. Mon objectif est atteint, j'ai remonté une escouade de la police. Je vais attaquer la. Je vais revenir dans le cirque. Torturer des gens, récolter des informations, faire mal aux rebelles. De lead pour tous, si c'est RAS au. Bien le bonsoir, salut Raph, le fils. Comment tu vas? Bienvenue à toi et merci d'être présent. De loulou. Bravo. Donc n'oubliez pas que tout à l'heure ma modératrice va vous lancer le giveaway de qui va vous permettre de gagner un jeu PC offert par Springfellow TV.
Et oui, le seul et l'unique Springfellow TV, la seule TV qui te rend heureux parce que, et du coup, je pense tout que habillé. C'est compliqué de prendre en tenaille pour essayer, hein. Faudra prendre un gros détour. Slogan de merde, ça, Octavia, non? Non, mais c'est pour les villes, je crois. Springfellow TV, où tu ressors de la télé, t'es tout habillé. C'est nul à chier, ça, non? Ok. Non, bah, c'est un beau film, mais c'est trop meilleur, quoi. Ok. Grâce à Springfellow TV, tes pieds sont jamais dénudés. Non, c'est pas bon ça non plus. Ah mais. Non, vous êtes sérieux les gars là. Là je suis pas d'accord. Ils sont sérieux. Là, je... là les gars je suis pas d'accord. Qu'est-ce qui se passe Dédé? Non non, les takedown volontaires, c'est inadmissible. Le premier qui me fait ça, la prochaine fois je l'abats sur place. Rien à gérer. Voilà, vous êtes tous au courant. Voilà. Le prochain accident, j'abats. Vas-y, ils te font sur le commandant. Non mais je suis sérieux les gars, je rigole pas en fait. C'est passé quoi en fait? Le prochain accident de la police ou d'un véhicule seul en cause, le pilote, je l'abats. Voilà, c'est simple, il n'existera plus. Je l'éventre, je lui pisse dessus, je vais chier ses dents. Si c'est moi. Moi je produis plus. Je te baise. Alpha. Ouais mais je reste en vie. Ah bah si je te baise oui. bravo pour le commandant. Oui, transmet. Vous avez fait peur à la recrue d'Elic avec le conduis maintenant. Vous démerdez, je m'en fous. Le premier qui casse, je le baise. Je le tue. Déjà tu la laisses conduire, ouais. C'est un risque. C'est à ce moment là que je suis content d'être un sniper. Salut Hugo, redédé, re-Hugo. C'est à ce moment là que je suis content d'être un pilote. Même si je casse, je sors. Je déroule le véhicule et je bouge pas. Deux snits pour Dédé. Transmet. Vous avez quoi comme arme? Un pistolet. Ça va. Du coup, direction pour l'île? Bah, direction route principale, la DP11, Attira. Bah, ça va super bien, Hugo. Et toi, comment tu vas? Et bravo, et ben, merci Springfellow TV. Bah de rien mon petit Jess, c'est normal. Quand tu sais pas, tu m'appelles, tu m'appelles. Quoi? Y a eu un problème cerveau. Y a eu vraiment un problème cerveau par contre. Ouais, j'espère. Ah, mais le type au doc. Transmettez. J'entends mon cœur battre, que fait? Point net mourir. Charlie, pour Doc, on aurait besoin de vous, on a eu un problème cerveau, on est vraiment blessé là. Arrêtez avec vos problèmes cerveau, les gars. Là. Inventez-vous une histoire, mais pas le problème cerveau. Quoi. Je suis tombé amoureux de Cali et je l'ai regardé l'entrejambe et je suis tombé dans le panneau. Voilà, ça c'est une histoire. On touche pas à la femme des collègues, mon commandant. Quel collègue? Ça c'est ce que je veux entendre, ça me fait plaisir. Quel collègue? Si vous voulez, je suis avec Odin, on va tuer, disparaître. Ah, c'est ta femme? Bah ouais, c'est, bah, mais c'est ma mère. Ah merde, parce que tout à l'heure on m'a proposé un restaurant et j'ai dit non. Allez. Allô chérie? Ouais, ouais, pour le restaurant tout à l'heure, c'est toujours bon ou quoi? Allô? Allô? Il a appelé chérie, papa. Ah, je me sens pas concerné. Excusez-moi, mon commandant. Comment ça, papa? T'as déjà des enfants? Bah oui. Ah merde. Mike Bellic, Ali Bellic, Odor Bellic. Hier on était droit dans la même voiture, c'était le feu. Vu ton accent, t'es pas de Odor, toi. Bah non, j'ai été adopté. J'ai adopté, c'est mon goal. Oh merde. Et même que dans la police on s'appelle la mafia bellique qui la ouais, et bah moi je vais vous virer, la seule mafia dans cette police c'est moi. C'est comme, ça veut dire mafia bellique sauf qu'on dit mafia bellique. Ouais. Ça se voit qu'il n'y a pas le lieutenant aujourd'hui avec ses notes de service hein, parce que ça aurait chier. Pourquoi? Bah le temps que vous la lirez, vous fermez vos gueules. Mais on l'a déjà lu mon commandant. Vous la relisez. C'est reçu. Yo Mortaxi, comment tu vas? Merci à toi d'être présent, merci de cette fidélité. Comment ça va mon petit pépère? Bravo l'infortune. Yo Shogun en mousse. Wesh frérot, ça va et toi? Bien, tranquille? Non, j'ai pas pu live hier soir parce que j'avais un problème de connexion 4G en fait. J'avais pas de connexion hier soir, donc j'ai pas pu faire un live. D'ailleurs, j'étais très déçu et j'étais très triste. Du coup, j'ai pris ma journée de congé hier soir. Ah merde.
Bah c'est pas bien de sécher les cours pour moi, c'est moche. Hugo. Non, j'ai pas pu live hier soir, donc du coup, ouais, et toi, une très belle HUD de stream. Une très belle HUD. Hein? Alors, hey, c'est quoi ça, une HUD? Une HUD. Arrêtez avec vos expressions de gens, là. Moi, je suis pas très gens, les gars. Je pourrais votre papa, en fait. Ouais, et toi, une très belle HUD de stream. Une très belle HUD de stream. J'ai pas capté. Parle en mon langage, s'il te plaît, Mortaxi. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Un HUD. Mais je vous emmerde, moi. Je pisse tous au cul. C'est le contour. Ah ! En overlay, en fait. Un très bel HUD de stream. Merci, Mortaxi. Là, j'ai compris maintenant. Mon overlay est très joli. Ça me fait plaisir, merci de l'avoir remarqué que mon overlay est très joli. Pour tous les Vipers, on va rejoindre le convoi de la Cité d'Or, donc il y a un Foxtrot des bras. Oui, mais j'avais compris, c'est là, 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 ici, en bas, machin. Bravo. Et d'ailleurs, hé les gars. Doc. Voilà quoi. Nico. Exact. Head up display ou affichage tête haute en français. Alors là, elle a fait un copier-coller, on s'en fout d'elle les gars. On la vire, de toute façon elle est virée comme modératrice, on la vire. Exact. Oui, merci, ça fait plaisir, Théo, que tu aies remarqué que mon overlay a changé, est plus propre et plus joli et plus animé aussi. Si vous avez remarqué, c'est un overlay qui est animé. Merci au créateur d'avoir mis ça. Non, j'ai trouvé ça sympa et ça vous met tous en valeur, que vous soyez donateur, abonné ou cheers ou follower. Voilà, ça vous met tous en valeur et c'est ça que je voulais. Team Lapa en force, ouais. Team Noob. Qui est avec moi là pour la team noob? Mahmoud, ils m'ont pas eu. Ah bah c'est normal, c'est CPA. Parce que j'aime pas trop la barre d'objectif donc. Ah! Pourquoi t'aimes pas? Faut toujours qu'il y en a un qui aime pas trop. Genre trop présent, grosse. Ah! Bah en fait je peux pas changer la taille en fait. Tu live jusqu'à quelle heure, Dédé? Jusqu'à minuit, comme d'habitude, 20h minuit, à Tis Live France, en compagnie d'Octavia. Bonjour Octavia, comment tu vas? Ça va et vous? Ouais, ça va super bien. Tu peux me tutoyer aujourd'hui, c'est ton interview. Alors Octavia, quel personnage es-tu? Qui es-tu? D'où viens-tu? Que fais-tu? Je suis Octavia Grest, je suis une transgenre. Bonjour transgenre. Bonjour. J'ai fait une opération du sexe et du coup j'ai pris des hormones féminins et j'ai encore féminin. Oh génial! Sauf que j'ai encore ma masculin. Mais on s'en fout. Ce qui me différencie des gens. Ouais, d'accord, ça marche pas, je parle plus. Non mais on s'en fout pas de ça en fait. Ouais, et après? Donc tu as un tube de dentifrice à la part des écouilles. C'est ça? Non. Non, d'accord. Excuse-moi. Moi, j'ai fait l'opération du sexe. D'accord. Bah bienvenue Octavia dans ActisLifeFrance.com. Merci beaucoup Cédric. J'adore mettre un blanc comme ça. Bon bref, mets ton doigt dessus, tu la verras plus. Qu'est-ce qu'il dit dans l'écran? Mais je peux pas changer, bande de nazes. Matt, je peux pas changer ça. Ça se change pas ça. Oh merde, ça là-haut, ça se change pas. J'ai pas de choix en fait. C'est soit ça, soit c'est plus gros encore. Donc je préfère mettre ça discrètement. Donc voilà, bonsoir Octavia. Attends, je vais mettre un petit zoom sur Octavia. Octavia a les cheveux rouges, des lunettes et elle cache son visage. Pourquoi? Et pourquoi elle a une arme sur la poitrine? Octavia, t'as une arme sur la poitrine? C'est pour me défendre. Si les hommes ils regardent ma poitrine, ils voient mon arme. Du coup ça... Le convoi il est arrivé à la... au Beauty, non? Sinon. Ah fille, ouais, donc Alpha, Charlie, Doc, Echo, on va bijoutier, bravo Foxtrot, vous récupérez vos collègues. On est quoi nous? Echo. Bravo. Alpha. Echo. Doc. Ah d'accord. Et bienvenue à tous, bienvenue au nouveau. C'est pire encore, Blobs, à la limite tu mets une nénette. Bah écoute, les nénettes, j'ai eu un avertissement sur les nénettes. Donc il n'y a que les donateurs, les abonnés et les gros cheesers, les gros beats qui ont le droit aux nénettes. Voilà, je suis désolé. Là, j'ai eu un avertissement de Twitch. Fallait bien que ça arrive un jour. Ouais.
il a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il a... Putain, il a combien? 8. Donc pour tous les Vipers, vous mettez en position. L'évacuation se fera par le. Ah bah oui, les gars. Médical. Il y a des règles à respecter et je les ai dépassées. Mais je les ai toujours. Hein. L'informer aux personnes. Mais les lettres sont toujours là, je m'assure. Elles sont cachées et elles sortent exceptionnellement pour vous, en fait. Voilà. C'est pour ça que vous avez pu remarquer quand il y a un follower, il y a un follower. Quelle position? T'es qui? Ah non, il est encore sur le point, il est sur le site. Donc, comme vous ai dit, mes nénettes sont toujours là. Elles sont cachées et elles sortiront que pour les cas exceptionnels. Tout le reste restera basique, simple. Simple, basique. Basique, simple. Passager pour déverrouiller. Merci à l'enfoiré qui m'a dénoncé. Bits de combien? Je sais plus, Matt. Franchement, je sais plus. Je crois que c'est 100 ou 1000, je sais plus. Je peux plus te dire. Je n'ai plus aucune idée. Sinon, bonjour à tous, bienvenue au nouveau. N'oubliez pas de follow la chaîne pour plus de délire, plus de rigolade, plus de conneries, plus de RP. Beaucoup de RP d'ailleurs. Parce que mon objectif, c'est faire du RP à fond sur les jeux, les jeux oubliés de Twitch en fait. Faire du RP à fond. Ma petite Octavia. Toi et oui. Moi dans une voiture, au courant comme ça. Depuis le temps que vous attendez ça. Non, depuis que tu attendais d'être avec moi en patrouille. Quoi? Non, c'est vous qui me le répétez. Non. Ça fait 3 ou 4 jours, t'essaies de me dire. Encore là, j'aimerais bien monter avec vous. Je le pensais, mais dans ma tête. Exactement, y a un mec qui a poucave, ouais. Ouais, genre report, ouais, c'est ça, ouais. En fait, j'ai rien dit, mais t'as deviné. Mortaxi, t'as deviné. Ouais, et je l'ai dit aussi, hein, c'est vrai. Donc on s'en fout. On s'en bat les... Je t'ai manqué, Octavio, ou pas? Un petit peu. Moi aussi. Hier soir, vous étiez pas, j'étais en mode, mais il est où le commandant? De quoi? Il est où le commandant et tout ça? Ah oui, t'as remarqué que j'étais pas là. Ah ouais, du coup j'étais triste. Ouais, je sais. Et ça t'a manqué? Ouais. Du coup, bah. Ça te dérange si je fume? Non. Ça te dérange si je fume dans ma vie? En fait, on s'est chié là, il se passe quoi non? Là, il y a un convoi. Bah, va à la caisse. La caisse? Ouais, va à la caisse. La caisse. On va chercher la caisse. On va chercher le pognon quoi. Allez go. Putain, c'est que j'ai pas l'habitude. J'ai pas l'habitude de cette voiture qui fait pas de bruit en fait. Je vous laisse les braquer et prendre l'argent. Exactement. C'est le moment. Ah mais attends, mais t'as pas vu bordel que ça là tout. Tu peux me le choper. Il y a John aussi. Ça se décroche. J'arrive pas à les avoir. Vas-y, mettez-moi sur la tête. Salut tout le monde, c'est le braquage, allez au sol. Je prends ma caisse. Il est pas là, monsieur Ferrara? Il est pas là, monsieur Ferrara? C'est vous le patron aujourd'hui? Ouais. Et quand est-ce qu'on parle de ma prime, là? Allez. Ouais, là, avant. Putain, je me suis fait enrhumer, quoi. T'as vu un peu? Là, c'était une tempête. Ah, excuse-moi. Oh, putain. Ah, excuse-moi aussi. Oh putain. Oh, excuse-moi. Oh putain, j'ai éternué. Et sinon ma prime, elle est pas là, non? Allô? Quand on parle d'argent, il y a plus personne. Ah, oh, il te manque de l'argent? Devine qui c'est qui l'a. Bienvenue, fais un don au prêtre. Bienvenue à toi. Merci aussi de nous rejoindre sur Discord et sur YouTube pour voir les gammes et les gameplays. Merci à toi. Sacré nom d'un prêtre. Amen. T'attends pas les civils. Commandant, c'est pas vous êtes un poulet. Il vous manque combien? Comment ça, je suis un poulet?
Il manque au moins. Alors, soit il y a une gonzesse dans le lot, soit il y en a un qui va pas bien. Ouais, tu vois. Y a rien, moi. Ah bon. Attends. Qui sait qu'il y a de plus en plus de sang là-dedans. Pourquoi tu m'as craché dessus, toi? Bah, c'est toi qui m'as craché dessus et tu m'as tatane en plus, t'as pas honte. Je t'ai pas tatane. Si tu m'as tatane. Est-ce que j'ai tatane? Non, il t'a pas tatane. Hein? Voilà, merci Warner Bros. Tu m'as tatane, gros. Moi, je t'ai pas tatane. Comme ça, comme. Bah, non, je t'ai pas tatane. Comment ça, tu vas m'attraper? Non, mais tu. Bon, allez, on y va. Ah, il va loquer. Allez. Réfléchis. T'as connais quand même. Messieurs, pour une vérifier si tout le monde est en compte en banque là. Si personne n'a fait Fais-moi un don quand tu veux. Quel enfoiré. Ça y est, je sais qui c'est. Réfléchis. T'en connais combien des prêtres? Bah, pas beaucoup. Mais celui qui me réclame le plus de pognon, je le connais. Vapeurs, mettez-vous en position, on a L4 sable qui arrive sur nous. Bien pris. Tu sais, Jess, que là, du coup, t'es bloqué pendant un moment avec ton pseudo. Salut, Monster, bienvenue, merci d'être présent ce soir. L4 sable longe la route principale. Commandant, il y a moyen de faire un tour à la baie vite fait pour bien sûr. Quelques chargeurs. Toi et moi, toujours possible. Ah. Du coup, on va à la baie chercher des chargeurs. Merci. Je suis qu'un thug, Octavien. De lead pour Foxtrot, vous remplacez la position d'écho sur le niveau des tours armés. T'es pas d'accord que je suis un thug? Est-ce que tu penses que je suis un thug? Foxtrot. Un gentil thug. Oui, un gentil thug, pas un méchant thug. Non, un gentil thug. Un gentil thug. Tu le penses vraiment ou pas? Oui. Bah, pas moi. Parce que je peux être l'enculé aussi, tu sais. Ouais, ça dépend des moments. C'est vrai. Et ça dépend avec qui. C'est vrai aussi. Tu crois qu'avec toi, je serai l'enculé? Ça dépend si je vous fais du mal. Ah, je pense à autre chose. Je suis un mec timide quand même. Je suis un mec timide, faut pas l'oublier. Je suis pas un mec facile, tu vois, Octavia. Je suis pas du genre à coucher les premières 5 minutes. Je couche pas les premières 5 minutes. Oh, dis donc, qu'est-ce qui se passe? Ferme pas la voiture, hein, ça sert à rien. Oh là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ce message? Ça pue. On va parler maintenant. Vous avez la chaîne avec vous, Doc? De Doc, on part, on a le monsieur avec nous. Oui. Ouais, pour tous en décolle, on est sélectionnaire. Bah non, je te l'ai dit, c'est toi qui t'en occupe. Oh, ma modératrice ne fait pas son travail, les gars. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vends la team Lapin? Je ferme définitivement la team Lapinou. Je suis désolé, mais je suis obligé de la fermer parce que la question giveaway n'a pas été faite par ma modératrice. Donc elle est virée. Donc il n'y aura pas de jeu gratuit à cause de elle. De quoi? Des chargeurs, s'il vous plaît. Des chargeurs de quoi? La SIG-556. Tu peux me parler français, s'il te plaît? La M15. Voilà. MK1. Et son nom, c'est la SIG-556. Laquelle? La beige? Ouais, bon, n'importe. Hein. Je veux juste les changer, moi. Les 762, 20 vaches, les trucs? Ouais, 762, par rond, ouais. Putain, ça m'a ruiné à cause de toi. Hein. Donc, pour tous les Vipers, une fois que l'argent est sécurisé, le personnel aussi, on part direction Negades, localisation de 5 packs armés. Triche, commandant. Je suis ballon. Vous avez plus d'argent que moi. Ah oui. Vous avez combien? J'ai 125 millions. Ah bah en fait, non, j'ai plus. Bon, bah, qu'est-ce que tu m'emmerdes alors? Pourquoi tu m'emmerdes alors? Mais je vous emmerde pas. Si, tu m'emmerdes. T'es en train de dire que t'es plus riche que moi. Hein? Non, c'est pas vrai. Je veux pas de quoi vous parler. Vous avez des preuves? A new follower.
Salut Dutch, bienvenue à toi, merci d'avoir follow la chaîne. Je t'invite également à nous rejoindre sur Discord. Bienvenue, bienvenue Octavia. Alpha, vous embarquez le personnel. Bienvenue à toi. Quoi ? Quoi, Ryan ? Qu'est-ce qu'il veut ? Bonsoir, le plus beau des streamers. Merci, mon petit Ryan, ça me fait super plaisir ce que tu viens de me dire. Même si tu le penses pas, ça me fait plaisir. Et j'aime de tout mon cœur. Quel lèche-cul, celui-là, il veut un jeu gratuit. Bon, allez, on s'en va. Ma modératrice est en train de préparer le giveaway, les gars, pour vous puissiez gagner un jeu gratuit. Je peux mettre quelle est la meilleure team. M'en fous, tu te démerdes, tu mets la question que tu veux. Sauf que contre les lapins. Ah non, t'as dit la question que... Oh Dédé, je vais piquer ta bagnole et je vais prendre ton PV. Exactement. Il ment, Ryan. Mais non, salut Infinity, comment tu vas ? Il s'arrête plus ? Non, je m'arrêterai plus. Ce soir, je suis en forme. Ce soir, je suis en forme, les gars. Mais pourquoi je... Tu te débrouilles. Ce soir, jamais, je suis en forme. Ah, tu prends la souffle. En fait, c'est moi le modérateur. Streamer, modérateur, administrateur, c'est moi, en fait. Voilà, en fait, je fais tout, les gars. C'est compliqué, hein. Embauché de la famille qui disait. De quoi, on est c'est mon cousin. Voilà, donc, le même papa. Tous les Vipers, nous partons avec les Giro et Doc, tu restes à l'arrière. Okay. Tu restes à l'arrière, tu feras la jonction avec Echo. T'as entendu, il partait avec les Giro. Il y a un de nos gars qui est sorti de la voiture. Il y a des gros problèmes, faites attention à vous. Non, je t'aime vraiment, Dédé. Apparemment, ce n'est pas assez. Doc, bah si, c'est tout à fait réciproque. Je vous aime tous. Je vous aime tous. Tous. C'est ce véhicule là ? Neg, avancez sur le bord de l'angle. Non, c'est sourire de lapin. Donc, moi aussi. Sourire de lapin, ouais. C'est vous qui l'a motivé, les gars. Ne l'oubliez pas. Comment je me suis fait construire ? Donc, pour toutes les unités, l'unité East, vous restez avec le dog, vous soignez votre gars. Et les autres unités, on part direction Negades. 8 packs armés, un Porsche, 2 Porsche Macan et une Nissan noire sur place. Bravo pour Vélid. Allez, écoute. Une fois notre personnel réveillé, on reste avec le doc ou on fonce? Vous foncez, doc nous rejoindra. C'est bien pris de bravo. De Echo, vous voulez qu'on reste avec le doc ou on fonce aussi? Ah ouais, à ce moment-là. Bah, je l'ai vu le bidon aussi d'arc-en-ciel givré en fait. Je l'ai vu aussi, j'ai hésité à le prendre et du coup, elle m'a dit faites gaffe, c'est super mentholé. Et du coup, je l'ai pas pris. Un non, produit bleu. C'est ça, hein, c'est un produit bleu, mon soeur. Alors, je ne suis pas responsable du giveaway de ce soir, je tiens à le préciser. Alors, Octavia, tu rêves de moi la nuit ou pas? Ouais, ça arrive, ouais. Et tu crois que je suis en train de te croire, là? Comment? Tu crois que je suis en train de te croire, là? Non, vous me croyez pas. Non. FUCK! Moi non plus, tu viens pas me croire. Ah ouais, fracage sévère. Oui! Alors pour tous les Vipers, les packs sont en direction du champ de LSD à Jus Constantinos. Nous passons tous ce canal pour faire jonction avec le C. Bon allez, c'est parti les gars! Le jeu concours est officiellement lancé quand ma modératrice aura mis le lancement du jeu concours du giveaway! C'est parti! Je tiens à préciser que je ne suis pas responsable de ce qui se passe ce soir sur le giveaway. Si vous ne trouvez pas, c'est pas de ma faute. S'il n'y a pas de gagnant, c'est pas de ma faute. Et si la question elle est conne, c'est pas de ma faute. Voilà, je tiens à le préciser. Ma modératrice s'en occupe. Rampage, lol, comment ça va tout le monde? Salut Teiko, comment ça va? Merci à tous les nouveaux followers de nous avoir rejoints sur le chat que vous animez, que vous mettez le feu tous les soirs. Merci à tous. Ça fait super plaisir. Allez, l'objectif 400 followers. Le lead pour tous les Vipers sur l'additionnel. Alpha, Foxtrot, vous faites la jonction. Vous ralentissez pour faire jonction avec Charlie. Et... N'oubliez pas les anciens, je compte sur vous pour accueillir les nouveaux sur la chaîne. C'est votre rôle, les gars.
recommencer, vous m'avez pas laissé le temps de mettre la réponse. Bah oui, là oui. Et c'est quoi la question? Quelle est la meilleure team du live? Mais non. C'est pas moi qui ai éliminé. Sérieux? Vous êtes sérieux là? Quelle est la meilleure team du live? Oh non. Mais non les gars, je ne suis pas responsable de ça. Bon. Toi aussi tu fais partie de la team la meilleure du live ou pas Octavia? Putain, vous êtes sérieux quand même. On s'en fout des majuscules, il prend tout en compte. Il se passe quoi, Octavia, là? C'est reçu, je monte dans les montagnes avec la Tesla. Merde, on est canal 1. Au son qui comique, ça va être un peu difficile, étant donné qu'ils sont deux. Ils sont deux sur la montagne? Ouais, en gros, si tu veux, dans chaque véhicule, ils sont deux. Il y en a un dans le véhicule et un qui est en train de se poser là. Ok, d'accord, ouais, mais du coup, le mieux serait d'abord de s'occuper d'eux, comme ça, si jamais il se passe quelque chose, on aura déjà niqué les deux là. Tout à fait. Il se passe quoi là? On a un mec devant nous là. Deux mecs. Le dragon va se déporter vers la montagne à gauche, il y a deux packs. Et il y a deux packs par VM. Mettez-moi des putains de points sur carte. Ils sont déjà mis. Ah ok. D'accord. Et on est canal 1 du coup. Pour les ouais, j'ai vu. On va intervenir sur le pack armé en haut de la colline sur le TE. Merci. Intervenez dans quel sens, soft ou interpellation? Interpellation, on arrête, on saisit les armes et on le prend plus. Bien reçu, donc droit de Tatane s'il refuse d'obtempérer. Afi sur un endroit qui est pas très très cool. Ok, reçu. Bon. C'est la montée dans le véhicule, c'est pas. Parle à plusieurs personnels. Donc il est pas tout seul, donc faites attention aux alentours les gars, périmètre de sécurité. Ah si, le reste ils sont sur le champ normalement. Conduite à tenir, on est... le pack c'est sur Foxtrot pour le moment, on est en train de le coller au cul, est-ce qu'on peut le take down ou pas? Négatif, vous ouvrez une conversation ouverte et vous le faites de sommation de s'arrêter. Les sommations ont déjà été faites, ils veulent pas... Vous réitérez les sommations. De belle qu'on a notre voiture, on peut pas monter en conducteur. Tu fermes et tu réouvres. Pour information du PA lead, vous avez mis tout point sur carte, précisément sur le champ de LSD, où sont les VL et où sont les packs. Reçu, bon vous partez pas tous au cul des bagnoles, là vous surveillez quand même les mecs sur le champ, ça s'appelle de l'organisation. Deux véhicules sur le véhicule en fuite, le reste sur le champ, reçu. CPA de Viper. Transmettez Viper. Toujours en vision sur thermique ou pas sur le champ? Ok, bien reçu, vous mettez les points à jour et les directives, vous avez la priorité communication. Pour l'interpellation véhicule, vous avez autorisation de take down après une dernière sommation orale, reçu? Ok, à toutes les autres unités direction, les points CPA pour interpellation musclée ou pas, on verra sur place. Allez, c'est parti. Périmètre de sécurité, Alpha Bravo en avant, Charlie Delta en appui. Alpha, je suis remonté sur la voiture là. Bon bah vous démerdez, alors ça s'appelle une désorganisation. N'oubliez pas vos critères et vos priorités. Ok à tous sur le champ, sommation faite, préparez-vous au code noir dès que Bravo aura dit que la sommation est enclenchée. Pour information, on a un Macan qui retourne vers le champ de LSD. De Bélic, on a deux véhicules qui arrivent au champ de LSD. Ok, alors le véhicule que vous percevez est peut-être des braqueurs, hein, et peut-être pas avec les mecs du champ.
J'ai plus l'impression qu'il est protégé en surveillant à côté. Ok, bien reçu. Bon, vous me topez le véhicule là maintenant. C'est bon, vous avez fait une soma ou pas? Affirmatif. Ok, bien reçu. Vous allumez tout le monde, vous me les réanimez, vous les interpellez, vous me les réanimez. Je sais plus aller d'urgence sur le point de pack sur les collines, c'est des snipers, attention à vous. Reste pas immobile. Reste là. Code noir, les gars. On se cache là. On est reçu, sniper sur la colline. Reçu. Prends le M300 et tu prends les. Ouais, bah justement, regarde. Hop, c'est ce que j'allais faire. Par contre, il faut un contre-tirant. Ouais, il me faut un contre-tirant, moi, par contre. Oh merde. Fais une lessive aussi. De Charlie, on a perdu un Mike, un refus de. Enfin, mauvaise compréhension. C'est pas mon problème, ça, les gars. C'est vous les pros. On a donne-moi la distance. Besoin d'une extraction sur Doc. Distance. Reçu. Yazimut. Distance et Azimut. Azimut 265. Alors attends, 1000, bouge pas. 1000 mètres. 265, 1000 mètres. Pile. Ouais, ouais. Oh, putain, je vois rien, putain. Ils sont à côté de la petite église dans des rochers et tout. Donc pour information, les deux snipers se sont retranchés dans l'église. 1100 mètres, c'est droite. C'est droite. 266 dans la. Dans l'église. Pour et l'autre à droite, derrière le buisson. Je le vois pas dans le buisson. 1266, t'es sûr? 266. Au nord pour tous, on a une personne qui est en vie, qui est menottée, donc ils ont intérêt à arrêter les tirs. 1100 mètres dans l'église, 1100 mètres, 1118 mètres, 1118 mètres. 1118 mètres. Ouais, il y a une différence, les gars. Excuse-moi. Ouais, parce que là, 100 mètres de différence, ça me fait une balle plus haute. Du bas, on est là. Dans l'église, j'ai 266. À droite, il y a un mec, regarde, à droite, il y a un mec. Pour Doc, c'est sur Mike Bellick, il est seul au milieu de la pampa, il est très bien pris, je le vois. Polo, c'est une tour à droite. Voilà. Négatif, il faudra défumer. Ok, il est derrière la colline. Lui, il est mort. Derrière le rocher. Alors, il vise mort. Ok. 1142, 1136, 1148. Il bouge, il est derrière le rocher. Ouais, vu. Tu me regardes de ça, là. Le rocher, il est à 1133 mètres. Il est en haut des rochers, je crois. Ouais, j'ai vu. Tu fais gaffe autour de nous aussi, en même temps. Ouais, je m'occupe de regarder, je... Ouais, c'est bon, j'ai la distance, c'est bon, j'ai la distance. Ok, je regarde derrière, là. Regarde autour de nous. Il y a beaucoup de monde autour de la sauvegarde. Je te fais une couverture de feu. Ouais, mais le problème c'est qu'on en a plus haut dans la colline, t'en as aussi derrière le bâtiment devant toi. Ok, j'ai un Subaru gris qui prend la fuite au niveau de la chapelle. Regardez sur carte, il y a un point de Pax qui a été placé, vous avez sûrement un peu plus haut dans les collines, vous avez sûrement un ou deux Pax également. Pour tous, les deux Pax il n'en reste plus qu'un, on en a mal éteint. C'est reçu. Une fois que vous l'abattez, on va essayer d'explorer. Que je te donne les azimuts. Pour information, on a deux VL qui sont en fuite, je vous mets sur carte. Ok, à tous, j'ai une Subaru grise et une Porsche Cayenne noire. Hein. Porsche... Et pas sur nous. Un string. Pour des unités libres, on aurait besoin de voir la deux VL sur la colline. Il y a une Porsche Macan. Ouais, vu. Non, coma. Mais il est parti. Essaye de coma le gars là, le dernier. Il est où? 400. Un pack s'est battu sur la Cayenne. Ah non, il s'est relevé. Non, je vois pas. Mais viens, de deux coups, on s'extrait avec le collègue. Viens là au pire. Un pack s'est battu au niveau de la maison, le deuxième est reparti avec son Macan. Si tu veux le mallette là. Pour information, l'initiale a été traitée. Maître. Là, il y a la fumée. Azimut 444 mètres. Azimut 276. Pour tous, est-ce que vous avez encore des commandes? Ouais, celui-là là. De chez nous, non. De chez eux, oui, je pense. Du coup, il y en a au niveau de la maison. J'essaie de te chercher des packs. 400, tu m'as dit? 444 mètres, azimut 276. Du bas, regarde les 300 de qui sont en train de monter à la colline. Deux mecs. Attends, je me mets à côté de toi si tu veux. Non, mais c'est pas ça, c'est que. Je suis en pente là. Un coma.
440 km. C'est bon, tu la mallette. Voilà. Je vais regarder vers les collègues. Bon, les collègues ils tirent par là, sauf qu'on a pas visu nous. Parce qu'une fois qu'il fait nuit, c'est mort, hein, j'ai plus visu. Hein. Ouais, j'essaye de faire. C'est valide pour Maxime, regarde ta carte, j'ai mis 2 points de Pax. Des okay. Pax, mais ils sont derrière les rochers donc on les verra pas. Ok, 700 mètres. Tu vois des Pax? 700 mètres, regarde sur la carte, il a mis un point. Ouais, 2 Pax, mais ils sont derrière les rochers en fait, on peut pas les voir. Il y en a un commun sur cette position, les deux sont communs. Ils sont derrière la montagne. Ouais, ils sont derrière les rochers. Ils sont communs. Ok, essaye de les traiter. Ah non, sorry, il y en avait un qui s'était relevé, c'est bon, j'ai eu. Note. Valide pour le commandant Cédric. Transmet. Tout se passe bien sur vous. Affirmatif, en position TE, on attend des ordres. Bien pris. Vous avez encore visé sur des nouveaux packs ou pas du tout? Vous pensez que c'est fini là? On fait un check thermique dans 2 minutes. En dessous. Le CPA, 2 packs dans les buissons en dessous. Ma position. On va mettre un CPA sur carte. J'ai mis un cercle sur carte. Ok, mettez à jour aussi les points s'il vous plaît. Les buissons. En bas. 300, là il y a les balles, 363 mètres. Ils sont deux packs à l'intérieur. Attends, je remets. Cercle plus précis. 364 mètres, là où ils tirent. Pas de visu. Non. Je vois pas non plus. Là il fait nuit, c'est encore pire. Le CP on va faire un check thermique, on laisse l'unité au sol vous gérer. Alpha on prend la mission par la gauche. Regarde derrière nous vite fait. Avancez pas seul les gars, travaillez en équipe. Dans ces buissons là? Bah, je vois pas. Du coup, j'en ai vu un. Ah, fais gaffe, il y a une herse, dans les buissons. Vous avez rien, Tarmic? On est dans la maison. Je vais vous mettre. Ah, puis je vois, sur position de Maxime. Azimut 208. Il est en bas. Dans l'escalier. 392 mètres. 392. Dans la maison? Ouais. Il est remonté. Dans la maison, 392 mètres. Ok. La fille, fenêtre 2. Il y avait sa lampe torche en bas, il est remonté. Vas-y, ouais, c'est vraiment, mais il est dans le cercle. Il y a des petits problèmes de cerveau aussi. Ah, j'ai vu. Demandez de l'huile de se rendre, hein, c'est le dernier. Fais pas n'importe quoi, tu te rends, t'es encerclé, fais pas n'importe quoi, rends-toi.
Le bubou en premier, les gars. Il est en haut dans le coin. Il est vraiment dans le premier coin sur ta droite. Qui c'est qui a rushé tout seul là? Ils sont deux. Ah non, ils sont deux. Il est coma, c'est bon. Intercepté. Embarquez-le dans le strider médical. Tout de suite. Regardez derrière nous encore. Allez, on bouge. Il s'est relevé, je vous l'amène. Très bien. Hop. Il est dedans, c'est bon. Je prends une lessive aussi. Attends, je peux pas rentrer là. Attends! Otavia, je suis pas dedans. Ah si, putain. Ah si, t'es dedans. Si, c'est bon, excuse-moi. Bon, si, je te voyais dedans. Ah vas-y, m'engueule pas. Oh, désolé. Mais par contre, je vois rien là. Bah, tu mets jumelles. Mais j'ai. On jouait que dalle. Y'a un bel là dans un des fougères. Je vois rien. Ça, tu vois rien. Ah non, c'est la merde. Mais non, y a des... Les commandes fonctionnent plus chez moi. Hein? Coup de alpha, on a un pax avec nous. Debout, il va très bien. Vous voulez avertir son GPS? Négatif. Bien pris. Si vous voulez vous arrêter, on peut le faire en 10 secondes là. On va faire ça. Mettez-moi sa radio dans la voiture, si c'est possible. Mets-la dans la voiture, s'il te plaît. Petite action sympatoche. Ouais, bien joué à toi. Merci. Sans contre-tireur, je ne suis rien. Du coup, direction, je suppose Berre. Une balle dans la bille, là. PMA pour l'instant, il est encore. Sniper sans son contre-tireur n'est pas un sniper. On va s'assurer qu'il. Ça s'appelle un travail d'équipe. Mes kills sont tes kills, Octavia. Et ma chambre est ta chambre. Tes kills sont mes assistances. C'est pour ça le rôle d'un contre-tireur, c'est primordial pour un sniper. Ça évite au mec de prendre le télémètre, tu vois, changer, il y a juste la distance à changer et l'azimut. Et après, toi, tu peux aussi faire le cover en même temps, c'est vachement bien comme ça. Moi, j'aime bien cette façon de travailler en snipe. Ouais, comme ça, toi, t'as pas le... Tu sais, quand tu prends ton sniper et que tu reprends le télémètre... Exactement. Le gars, entre-temps, il peut partir, tu vois. Et tu vois, le fait de se tromper de 100 mètres, c'est important, en fait. Ouais, mais... Parce qu'en fait, j'ai tiré la première balle, elle était en haut de l'église, en fait. C'est pour ça que je t'ai dit, c'est pas bon. Le mec dans l'église il a fait pouf. Ouais, dans l'église il a fait pouf, ouais. Dommage pour lui. C'était bien joué de leur part. Ouais. Je sais pas combien on a eu de pertes chez nous. Mais... Zéro je crois. Vous pouvez me faire un topo sur les pertes s'il vous plaît. What? Allô? Ouais, de chez nous, je sais pas, en tout cas Alpha va bien, va bien. Non mais quand je dis chez nous c'est police hein. De police, on a perdu Foxtrot et Mike Bellic. On est là, les gars. Foxtrot, on est tous présents. Moi, si c'est pour de la merde, ça sert à rien. Qui c'est qui a le lead là? C'est du Maz. C'est du Maz qui a le lead. Non, je sais pas, je crois. Ok, bah je veux que le lead me fasse un topo rapide. On a un blessé sur Doc qui a eu un souci, deal. Donc pour commandant, on a perdu Mike Bellic, Hugo East, Vinny Albertino et Cali Bellic. Ok, reçu. Alors les soucis d'île, c'est normal, les gars. Tout le monde le sait. On sait bien. On vous remercie de l'intervention avec Arnaud, on bouge de CPR. Merci CPR. Pour tous les Vipers qui sont sur la PMA, vous vous mettez en position autour. Du coup, j'ai vu avec Okai, du coup, je vais parler, je lui ai dit, ouais, j'aimerais bien être Echo ou Charlie, mais en restant un peu médecin de combat si c'est possible et tout. Ouais. Et du coup, il m'a mis dans Echo. Et du coup, c'est pour ça que j'ai demandé à Dumas si c'est possible d'être en Echo ce soir. Avec moi? Oui.
Ouais, j'espère bien. Hein. J'ai te manqué quand je serai parti de Viper. Oui, mais on te verra quand même. Ah, tu me verras toujours, mais moi. Ouais, moi. On te verra à cérémonie et à chaque début de tempête de 21. Le cerveau givré porte chance, carrément, monster. Bon, allez, je vais vous m'excuser, mais je vais m'absenter 30 secondes. Octavia, je te laisse seul 30 secondes. Vas-y. Est-ce que t'as le permis poids lourd, Octavia ? Oui. Ah, bah tu peux m'aider à pisser. Putain. C'est vraiment un enfant. Bon, j'ai pas les yeux violets de Dédé devant moi, mais j'espère que vous passez un bon live, je sais pas si vous m'entendez, je pourrais pas voir vos réponses. Et j'espère que le live de DVD vous plaira ce soir. J'essaie de faire de l'animation depuis que c'est parti pisser. Voilà. C'est une belle opération en tout cas là, pour le petit fight là. Et vive le commandant préféré DVD. Avec ses petits lives tous les soirs, en journée aussi, j'imagine. Ah, vite, il faut rouler là, c'est pas le moment. Hein. Ils sont longs quand même ces 30 secondes. Je sais pas où lui demander. Hop là, désolé les gars, voilà, je suis de retour. Au niveau de Foxtrot, PMA, suspicion de Pax dedans. Il est parti direction. Direction LSD. LSD les gars, LSD. C'est bon, je suis de retour. Hein. Merci de m'avoir aidé à pisser. Pas de soucis, j'ai commenté. Est-ce qu'on a des Pax sur la PMA? T'as bien fait. Sur ma chip, je n'ai rien. Par contre, j'ai pas les réponses. Avec t'as pas la réponse? Non, j'ai pas les réponses. J'ai pas tes yeux. Enfin, t'as compris quoi. J'ai pas tes yeux, j'ai pas la réponse. J'ai commenté sans voir les réponses. Ouais, je sais pas si c'est bon, j'ai compris. Ah, d'accord, on sait jamais. Ouais, t'es pas sur le live. Toi qui es followers. Toi qui es une followeuse. Une amoureuse. Une followeuse. Oh, apparemment, il y a un VL qui est parti vers le champ des LSD. Encore. On va aller voir vite. Hein? Oui, Octavia, elle est dessus. Hein. Je suis pas sur le live. Enfin, non, t'es... Ah non, elle a pas followé la chaîne, mais elle est sur Discord. C'est une escroc. Ouais, attends, c'est quoi? Prends mon téléphone. Non, je pense pas qu'il va faire partie de la team. Faire partie de la Noob Team. Alpha pour les deux. Sur écoute. Est-ce que ça vous dirait pas au pire qu'on décroche peut-être deux unités pour aller s'occuper du pack, si vous n'avez pas trop de temps? On a combien de packs là? Parce que j'en entends depuis tout à l'heure parler, là il y en a un, il y en a deux, il y en a combien en tout? Il y en a un, du coup il n'y en a plus qu'un en vie normalement, c'est avec Alpha. Ah, faut que je t'échange l'appli. Donc, l'opération est terminée, il n'y arrive plus que ce pack à faire jaune. Donc on décroche, on s'en va. Décrochez. Pax Coma qui est en train d'être soigné.
D'accord. Donc on attend et après on décroche. Est-ce que vous avez appelé la SC, sécurité civile? Ah, ils ont su, ils le sauvent. Ah ouais, bon. D'accord, ok. Vous leur dites bien de le sauver et pas de le tuer. Ah, tu vois, il va s'en sortir. Non, mais je préfère préciser. C'est vrai que parfois c'est des assassins. Disons que des fois je les paye pour assassiner les gens. Vous pouvez me dire qui c'est qui est sur place? En qui? En sécurité civile? Non, en curé. Il n'y a pas de curé au niveau de l'église, c'est David au niveau de l'église. Ok, bien reçu. Octavia, si tu savais tout le mal que l'on m'a fait. Octavia, si je pouvais. Tu pouvais. Non, je peux pas continuer, après ça devient X. Fais attention si ça devient X. Merci. Merci, chère communauté, d'accepter ce genre de méfait sur moi de la part de ma modératrice qui, à la moindre occasion, va se permettre de faire des choses comme ça que je devrais accepter ou pas. Et là, je n'accepte parce que c'est pour vous, en fait. Vous êtes tous virés, bande de crédules, bande de fauchetons, bande de followers, mais que vous n'êtes pas. Je vous vire. Octavia? Oui? Je t'aime. Ça y est, je me suis lancé. Qu'est-ce qui nous arrive? Moi aussi, je m'aime, Dédé. Moi aussi, je m'aime. Mais moi aussi, je m'aime. J'ai pas envie de me regarder dans une glace et me dire qu'elle va... casser. Et elle cassera pas, t'es beau. T'es tellement beau. Moi, ouais, je sais que je suis mauvaise. Que la vitre, au lieu de se casser, elle va plier. Tu sais quoi? Pourquoi tu souffles? Je sais pas. Non, Monster. Ouais, merci, Monster. C'est sympa d'avoir clippé ma tête. C'est cool. Heureusement que ça reste entre nos 350 amis. Hein? Heureusement que ça va rester entre nos 355 amis de la chaîne. Sachant qu'il n'y en a plus que 12 de présents. Pour Alpha de... Bon les gars, c'est long là, qu'est-ce qui se passe là? Pour l'instant que nous sommes ici, de l'autre côté, ça trafique. Il vient juste d'être réveillé, mais le truc c'est qu'on pouvait pas le choquer, il avait du coup... Attention, donc il a fallu juste... Ah bah vous l'abattez, vous le finissez. Abattez-le. C'est reçu. Merci Octavia. Il est toujours là pour abattre. Merci Octavia de ton follow, merci beaucoup. De rien. Toi qui es si belle à côté de moi avec ta petite sacoche, y'a des capotes dedans ou pas? Donc pour tous, vous chargez les packs, c'est en petite... BA. Ouais, la petite sacoche avec la petite croix dessus. Fais une lessive là, parce que je vois tes muscles. Et alors? T'aimes pas? Ah, ils sont beaux, mais avec ta tenue, ils sont... tu vois. Et là? T'es pas beau, là? Ouais, ils sont magnifiques, mais avec la tenue colle sur les muscles. C'est ça qui est génial. C'est là qu'on peut repartir. Tu vois, Orion. Hop, et là, tu vois quoi? Là, je vois ton caleçon. Elle est fan de cible. Allez, c'est parti. J'ai une question, vu que tout ce qui est Twitch, tout ça, je suis pas une experte. Ouais. Pour faire des dons et s'abonner, faut obligatoirement PayPal ou... Non, avec pas forcément. Avec la carte bancaire direct, tu peux. La carte Burger King, ouais, tu peux aussi. Ouais. Okay. Faut acheter 4 menus pour avoir un follow. Non, tiens, je déconne. Non, bah en fait, PayPal est plus sécurisé. Alors, il y a CPay, d'accord, qui accepte les cartes bancaires et tout ça. Et il y a PayPal, mais PayPal est plus sécurisé que les cartes bancaires. Ouais, parce que en fait, j'ai pas de compte PayPal. Je crois que je suis la seule personne sur Terre à pas avoir de compte PayPal. Non, t'es pas le seul. Il y en a plein qui font des dons par CPay.
Le problème, c'est que CPay est un compte américain et il y a les taxes dessus. C'est gros, ça? Je crois que c'est 3,8%. Bah, pas pour toi, c'est moi qui paye les taxes, c'est pas toi. Octavia doit être boire un verre avec moi. Hein. Non. Alors, Stivers, Octavia ne doit pas boire. Oh! Deux échos, on a un petit problème. Putain, je vais t'avoir. Aïe. Oh la magie noire de. Aïe. J'avais pas dit que le prochain qui cassait, je le butais? On n'a pas cassé. Hein. Si, Benoît, t'as cassé. Que c'est? C'est qui a cassé? Putain, Maxime Bellucci, putain, je vais te défoncer. Aïe, je suis en train de pisser le sang là. M'en fous. Crève. On connaît, hein. Ouais, crève. J'aime bien quand tu me touches comme ça. Toi. Vas-y, crève. Merci, mon commandant préféré, de votre soutien moral. Bah, de rien. Sauvez-le! C'est un collègue. Quel est... Quoi? La tête de Dédé désespérée est présente sur Discord. Merci Monster, ça me fait super plaisir. Tanou quoi? Salut Tanou, comment ça se fait qu'une plaque personnalisée sur ta voiture? Comment ça se fait? T'as une plaque personnalisée par les civils pour faire chier les policiers. J'ai pas de plaque personnalisée sur ma voiture. J'ai pas compris. C'est qui? Oh Yuri, tu vas bien Yuri? Ça va. Yuri Gargoran. Yuri Gargoran. Aïe. Oui, c'est lui le plus grand des ânes. Ouais. Ah, c'est Ivar. Ivar, t'es à poil. Ah ouais, mais là je suis surtout très endolori. C'est encore au bras là? Ouais. Ouais, l'entrejambe, il saigne encore. Non, bras gauche. Je soigne. Vous êtes là, hein, monsieur le docteur. Ouais, docteur, où est passé mon cœur, docteur? Je ne sais plus où ce que... Bon, les gars! Alors, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Je vais mettre un peu de drogue. Alors, les gars! Bellucci, ici! Ivar! Fais une lessive. Ivar, arrête d'enlever tes habits dans la bagnole. Arrête, voilà! Rhabille-toi. Bon, étant donné que vous avez commis... Oh, je peux parler là ou quoi? Vous voulez mourir? Je peux parler ou quoi là? Voilà, maintenant que vous avez fait de la merde et que vous avez provoqué un accident, vous avez 30 secondes pour me chanter une chanson en même temps. Allez, c'est parti. Sinon, je vous abats. J'entends le loup, le renard. Ah, allez, belle. Plus fort! J'entends. Et le renard chante. Encore, plus fort! Je reviendrai. Putain, mais vous foutez de ma gueule ou quoi là? C'est pas une chanson ça? Salut Joël Papa, merci d'avoir follow la chaîne, bienvenue à toi, merci de nous rejoindre c'est également sur Discord et sur YouTube pour avoir les gameplays et les lives que tu as ratés bon, précédés. Le... Ton follow, merci à toi, pardon, je suis en train de bugger complet là. Merci à toi. Allez les gars là, putain, une chanson là, en même temps en duo là. Allez, c'est parti. Hop. Sinon je vous vire. Allez, 1, 2, 3. Allez, mène-toi des culs là, parce que je vais m'énerver. Voilà, c'est comme ça. Allez, hop, c'est parti. J'entends le loup, le renard et la belette. J'entends le loup, le renard chanter. Non, on va faire mieux. Vous allez faire le cri de Tarzan. C'est quoi? Allez, plus fort, Ivar. Hein? À toi, Bellucci. Ça, c'est Tarzan qui est mort en fait. Ouais, il est malade. Je suis malade, pas balade. Je suis malade. Allez Octavia, on continue. Continue à me caresser. Merde, je suis putain. Faut raconter des conneries. Salut le médecin. La prochaine fois, vous chantez Tarzan. Il se désintègre. Sneed, t'es moche. Alors monsieur. Sneed de Dédé. Sneed de Dédé. Ah oh, putain, son canal de. Sneed de Dédé. Non mais c'est pas un jeu là en fait. Quoi? C'est pas un jeu en fait, je m'appelle pas Odor moi. Mais. Sneed de Dédé. Transmettez?
avez toujours un homme vivant dans votre véhicule? Oui, affirmatif. Bah voilà, c'est ça ma question, direction depuis B alors. Depuis tout à l'heure, je réponds. Mais depuis tout à l'heure, je vous entends pas en fait. Ah d'accord. Pour la peine, vous passerez recrue. C'est bien reçu, ça me va. Commandant préféré, c'est bien reçu. C'est bien reçu, mon commandant préféré. Le plus beau, le meilleur, le plus fort de tous. Le plus beau, le meilleur, le plus fort. Celui que tout le monde suce. Ah. Exactement. Vivement que vous soyez colonel. Vas-y, répète ça. Vivement que je sois colonel. Ta gueule, t'es viré. C'est bien reçu, je saute du stride. Que de la gueule. Je disais quoi? Non, il rigole. Ok, c'était un prank. Comment il s'appelle le monsieur de ta voiture? Je sais pas, il a oublié. Mais il va pas oublier avec moi. Eh, c'est ce que je lui ai dit, j'ai une botte pour le faire rappeler ses souvenirs, mais ça a pas l'air de lui faire peur. Pour l'instant, la seule chose qu'il a dans la tête, c'est de la pluie, il m'a dit. Odor, il... Mais après, c'est vrai qu'il a eu quand même un sacré choc. Hein. J'entends le loup, le renard et la... Mets ta radio en haut-parleur, Snid. Quoi? Ok, attends. Mets ta radio en haut-parleur. Vous voulez que je fasse aussi? J'ai un pack. C'est fait. Affirmatif, vous mettez tous vos radios en haut-parleur pour que les deux Gugus m'entendent bien fort. C'est pas un Gugus, il a dit. Écoutez-moi bien, les deux flippettes, là. Vous savez pas qui je suis, mais moi, je sais qui vous êtes. Si... Avant d'arriver à la BA, vous me dites à mes collègues votre nom et votre prénom. Je vous promets que je vous éventre pas. Que je vous pisserai pas dessus et que vous ne chirez pas vos dents. Au contraire, je vous donnerai un petit donut, une petite bouteille d'eau ou une histoire rigolote. Préparez-vous à faire Tarzan parce que la liane, elle va casser. Et si elle casse, vous allez mourir. Et si vous mourrez, ben moi je serai heureux, ça fera deux racailles en moins. Donc c'est simple. Il vous reste exactement 2 minutes 35 avant d'arriver à la BA. Si pendant ce lapsus de temps, vous ne savez pas faire le cri de Tarzan, ou que vous ne connaissez pas une histoire drôle, ou que vous ne savez pas chanter une chanson, eh ben c'est simple, je vous égorge. A tout à l'heure. Bisous les loups. Vous pouvez couper la transmission. Il a dit, oh il est marrant lui. Le mien a dit autre chose. Le mien a dit, est-ce que vous pouvez dire que je prends pas les couilles? Salut Stamprod, salut, y a-t-il un limitateur de vitesse? Effectivement, il y a un limitateur de vitesse. Affirmatif. Regarde l'arrière de ta voiture, Dédé, quoi, sur la plaque, il y a des chiffres. Vous voulez que je lui tranche la gorge maintenant? Non, tu le fais perdre, tu t'arrêtes, tu fais style, tu répares ton véhicule et tu lui mets une balle dans la tête comme si t'avais trébuché à travers un caillou. Ah, oh, j'ai cassé! Il doit le faire, hein. Attendez, je sors, je répare ma voiture. Voilà. Moi aussi j'ai une super histoire pour toi. Mais il l'a vraiment fait, il était vraiment sympa lui. Appelez le médecin. Eh, j'ai plus de stuff médical, je suis désolé. Doc. Tu as du mal? J'ai voir ce que je vois. Bon bah ça va alors, nickel. Il l'a fumé. Il s'en bat les couilles, ça va. Il est où? Le autre, il s'en bat les couilles. Parce qu'il était vraiment sympa. Je le connais pas. Bah maintenant t'as une raison de réparer ton véhicule. Hein? Adore. Sauvez-le. Bah ouais, surtout de le laver là maintenant, il y a plein de taches de sang partout. Appelez le médecin! Merde, j'ai mis une balle dans la tête en plus. Appelez le médecin! Je t'ai appelé le médecin. T'as bien visé, hein. Tu peux appeler les médecins en long? Ouais, bien sûr. Ils sont là, bon, on va aller à l'intérieur. C'est un peu chaud quand même. C'est doux pour les médecins. Bah quoi? Il a dit que. Bah j'ai trébuché à travers le caillou. Putain. Mais ils s'en battaient les couilles, moi je m'en bats pas les couilles. Je mets la morphine, je mets la. Non, je suis en train de mettre la saline. Non, je suis en train. Voilà, il faut juste le RCP. Voilà. C'est bon. La prochaine fois, je pense qu'il réfléchira à ce qu'il dira. Ils sont pas sur la longue. Envoie un message avec la position. Tu leur dis qu'on est sur route principale. Bah, c'est reçu. Ça donnera peut-être des idées à l'autre dans le Strider. Ah, il connaît pas, il a dit. Ouais, bah. Ouais, bien sûr. Allez hop, à tout de suite les garçons, il est stabilisé, faut appeler le médecin. On aurait besoin d'un médecin si possible entre Agios et le repère de gang. Là vous avez mis une fréquence pour vous en même temps? Non, mais c'est cool ça. Merci beaucoup. Ok, ça arrive. Salut! Salut! C'est un braquage! C'est un braquage!
La débatte. Ah du coup le mec il s'en bat les couilles de lui parce que de toute façon c'est pas son pote, il le connaît pas. Le commandant il parlait, il a dit quoi mon collègue? Attends, je vais monter. Non mais à un moment donné. Pas non plus que toutes les unités police commencent à parler sur le vocal, c'est que. Bah le vocal vocal. Habituez-vous à ça les gars. Ah ça c'est bien. C'est bon, il est stable ou pas là? A fille. Ah oh, parfait, surtout ne réparez pas ma caisse, c'est moi je vais avoir Si vous pouvez sortir les véhicules, mon commandant. Y'a la sécu. Quoi? De quoi? Il veut pas sortir. Ma fille, de la R6, de la R6. Bonjour. Là-dedans. Il est là en voiture, il est sorti de la voiture, il a trébuché la tête en première sous le caillou. Ouais. Attends, je l'ai vu sauter la... Non, monte. Non, monte vite, monte, dépêche-toi. Il va nous voler. Bon, t'accélérerais pas, sinon je suis mort. Hein. Accélère. Alors. Trop de l'RCP. Allez. Il fallait essayer de faire. La vie facile, nos autres. Alors. 16. Hein? Ça va aller. 3. Ah ouais? Tu vois quand vous faites le défi? Ouais, je lui piquerai. Défi. Ok. Ah ouais, je vole rien. Bon, ça... Ah, ça va, fiston. Alors. J'avais mon casque de protection anti-chute de pierre. Non, c'est une... Bon, fiston, la prochaine fois que tu ouvriras ta bouche, c'est pour dire des choses intéressantes. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je suis pas du genre à rigoler, moi. Moi, c'était un battage de couilles amical. C'était vraiment sincère. Bah, moi aussi, c'était sincère quand je t'ai attribué la tête en première sous le caillou. Ouais, mais du coup, j'avais mon casque de chantier. Du coup, j'ai rien senti presque. Eh bah, écoute, on verra ça à la BA. D'accord, bonne route monsieur. A tout à l'heure. Allez ma chérie, on arrive. C'est parti. Putain, je crois que je suis enrhumé. Bah vas-y, vaut mieux voiture. C'est pas moi, c'est Snid. Ah c'est Snid. Du coup, je dois reduel. Non, c'est pas à moi que vous parlez en fait. Lui dis pas tout, lui dis pas tout, il est en train de nous mentir encore et encore. Vous pourrez dire à la sécurité civile si elle a pas de travail de nous suivre à la BA. Je pense que je vais en avoir besoin. Allô, non, ça se passe mal. Ne venez pas, ouais, carrément, c'est faisable. Ouais. Okay, super, merci. Merci, Doc. À tout à l'heure, inconnu. Pas il a dit quoi lui, le communiste? Je m'arrête, commandant, il vous a dit qu'il a dit que vous étiez un communiste. T'as ta radio en haut-parleur? Comment? T'as ta radio en haut-parleur? Non, je l'avais. C'est bon. Bah, je suis un communiste comme un violoniste. C'est-à-dire que j'ai une baguette, et quand ma baguette elle rentre dans ton fion, ça fait East. Pas Hugoist, ni violoniste, ni communiste. Ça fait juste East. East, c'est toi et moi. C'est une relation qu'on a ensemble. C'est une relation de confiance. Une relation de confiance que tu ne peux avoir que toi et moi. Cette relation, voilà. Elle s'appelle allemande. Elle s'appelle East. East comme toi et moi. T'as compris? A tout de suite. East. Il vient de dire. Tu peux lui dire qu'il la ferme, il parle trop. Ok. On verra si je parle dans un BA. J'ai un sabre. Un Douglas pour l'aider. Transmettez. Je remplace du Maz au lieu de 5 minutes. Il est parti faire une pause caca. Ouais, ça arrive. Ça arrive à tout le monde une fois par jour, c'est pas grave. En plus que ça pour ma part actuellement. Apparemment on a peut-être les rampes. Si vous pouvez éviter les détails. Bon, en ce moment j'ai la chiasse. Oh, on s'en fout. Attends. Ça fait 5 pas. Ta gueule. Depuis 20h, je suis parti aux toilettes, ça fait mal. Salut Loki, bienvenue à toi Logiste, bienvenue à toi, merci d'avoir follow la chaîne. Je t'invite aussi à nous rejoindre sur Discord. Comment? Et sur YouTube pour revoir les gameplays et les lives en replay. Pas merci à toi mon loulou et bienvenue dans la communauté, bienvenue dans la famille. Si tu veux plus de détails, tu me donnes ton snap, je t'envoie un snap tout à l'heure. Ouais, c'est ça, ouais, ok, ta gueule. Je crois que vous venez de dire qu'il voulait envoyer sur quelqu'un. Moi j'ai compris qu'il voulait envoyer sa caquette en snap. J'ai plutôt compris comme le commandant.
267. Puis il a cassé. Oh, c'est con. Alors, je peux vous dire que la team Lapinou, vous êtes quand même en minorité. C'est la bonne réponse, hein. Salut, tu joues sur quel serveur? Salut, Logist. Salut à toi, je joue sur altislifefrance.com. C'est un serveur modé de Arma 3. Ce n'est pas ALF ni Arma for Life, c'est l'autre serveur, altislifefrance.com. Comme c'est marqué dans ma description, normalement. Je dis bien normalement. Si ne l'était pas, bah c'est les mains. C'est un serveur 160 joueurs full tous les soirs. Pur FR, québécois, belge. Ouais, parce qu'on les accepte aussi, les belges et les québécois. Je plaisante. Je plaisante. Vous n'avez pas sur le chat, je plaisante. J'ai une question. Est-ce que si j'ai une info est marquée sur le forum comme un don, on peut l'utiliser en RP? Salut pour tous, je suis de retour. Donc RTPA, on s'occupe de se rééquiper et on laisse Echo s'occuper des packs. Alors ça dépend si tu la mets en section RP ou pas. Si c'est en section RP, oui, c'est utilisable. Si tu la mets pas en section RP, non. C'est reçu. C'est pas utilisable. Non, j'ai pas entendu. Du coup, nous, à choix, qu'est-ce qu'on fait? On le laisse à Echo, c'est bien ça? Quoi? On doit s'occuper des packs. Affirmatif, vous le laissez à Echo. Qui donne le on vous le met dans la box de droite. Je mets le mien également avec. Et pour tous, on refait le plein de munitions, de bouffe et on repart. Sid, je laisse t'occuper de le sortir. Non, c'est le monsieur avec la petite batte. J'ai le droit de regarder par la fenêtre ou c'est interdit? Alpha pour Echo. Il a coupé la tête. Oh, j'ai coupé. Transmet. Vraiment, celui avec qui j'étais, il est vraiment sympa. Mais t'es fou? Je vais te couper la tête. Lui dedans là. Ah, il est magique. Bon. Pour qui tu bosses? Pour qui je bosse? Ouais. Pour qui vous bossez? Ouais, pour qui vous bossez? Ah ouais! Oh là! Ah! Deux têtes à couper, je lui perds! Alors, moi, pour qui vous bossez? T'es qui, toi? J'ai un casque de chantier. T'es qui, toi? Ça, t'es sûr que ça va protéger ton casque? T'es qui, toi? Bah, aïe! Putain de con du cul, ça fait mal! Bah alors, j'aurais que t'as mis un casque? Moi, je suis ton pire cauchemar. Non, je parle pas de toi. Je parle pas de toi, là. Hors de lui, là. T'es qui, toi? Parle à qui le trou du cul? Oui, du monde là. Aïe. Voilà, aïe, on dit pas. Tu te crois chef parce que t'arrives à tabasser les gens qui sont menottés, hein? Oh putain, les gars, il a dit parce qu'il est menotté, c'est ça? Complètement fou. Hop, libéré. Voilà, bah. T'es pas attaché là? Médecin! Bah, vous êtes un. J'arrive, mais j'ai plus d'équipement à cause de vous! Et faut non, demander mais... à Sylvie de rester normalement. Hein? C'est bon, allez là. Je vous permets pas. Bah. Qu'est-ce que de le soigner avant de. Si j'ai plus de bandage. Allez, appelez le médecin là. Y'a plein de problèmes, c'est ouf. Ah oui? Où t'es là? Juste là, j'enlève le casque. Arrêtez de bouger. Arrêtez de bouger. Bah j'aimerais bien. Ça dépend en fait. User. En fait ça dépend si c'est une section RP ou pas. Si t'as une section RP, oui. Si t'as pas de section RP, oui, non, c'est pas valide. C'est un peu compliqué à comprendre. Mais c'est ça en fait. Votre collègue. Ok, Théo. Donc la prochaine fois que tu feras le malin. Ouais. Tu en fait sur le forum, t'as deux sections. Pourquoi la section présentation, la section RP. Je vous enlèverai le casque et je vous refrapperai avec. Oh. Oh. Il faut voir dans quelle section c'est. En fait. Une présentation de famille. Une présentation de famille n'est pas prise en compte parce que c'est présentation de famille Robert. Dispo, on est reparti. Bon, du coup, c'était quoi la question? On arrive. Alpha, on bouge. Bon, pour qui vous bossez? Ah non, j'ai eu peur, j'ai cru que j'étais en train de faire des bêtises.
Non, pour qui vous bossez en fait? Bon, pour qui vous bossez? Pardon, ah oui, c'était ça. Hop, pardon. Allez, appelez-moi un doc là. Ouais, Pour qui on bosse? Bah, je le sais toujours pas en fait. Bon, c'est simple, si tu me dis pas pour qui tu bosses, je te coupe la tête. Mais c'est pas compliqué, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je bosse pour personne, moi je travaille, je suis indépendant comme d'habitude. Ouais, vous êtes tous indépendants, mais vous travaillez toujours pour quelqu'un. Donc on bouge à Vigie, c'est ça? On travaille pour la marine. Ça, j'ai envoyé la... C'est qui la marine? Bah, c'est un groupe bandit. Alpha pour l'aider. C'est qui là? Transport. Bah, écoute. Donc on bouge bijoutier, c'est bien ça? Afi, je cherche juste Douglas. T'es où Douglas? Affirmative, j'arrive. Je t'attends devant, dépêche-toi. Ensuite. Donc, t'es en train de me dire. Pardon. Désolé. Que je te menace avec mon sabre. Je te menace de te couper la tête. En train de déshabiller le monsieur là-bas. Ouais, exactement. Un petit peu de ma gueule là quand même. Oh putain, je vais le tuer lui. Bah non, mais je veux bien. Non, mais je veux bien être gentil. Faut pas se moquer des gens, mais faut pas se... Ah non. Donc, dépêche-toi. Sinon, je te coupe la tête. Bah, vraiment, laissez des véhicules à nous là sur zone. Je te coupe la tête ou tu pars. Qui traite le LSD actuellement? Moi, je connais la réponse, mais je veux te l'entendre dire. Traite le LSD, c'est-à-dire traite. Qui maîtrise le LSD? Vous êtes encore en train de le masturber? Il faut qu'il les ramène à la BA. What the fuck? Mais c'est pas normal qu'on ait laissé nos véhicules là-bas. Bah, c'est la marine. La score. C'est que je pense qu'on a une Docteur, restez là. Ça va pas durer. Oh, c'est Lohan! Hey, Lohan, ça va, mon copain? Je parle de l'objet du véhicule en fait. Lohan? Oui, le groupe, c'est monsieur. Par contre, si vous faites la demande au monsieur là, de nous ramener le véhicule, il faudra prévenir en longue portée. Il a essayé de te braquer? Bah, en gros, il a dit si tu veux, est-ce que tu peux nous vendre des diamants bien taillés? Il a dit non. Je lui ai dit non, et puis il m'a dit bah, c'est pas grave, on va être obligé de te braquer. Lui, il voulait te braquer en fait. Parce que tu me l'as dit. C'est lui qui voulait le braquer, c'est ça? Bah ouais, c'est Plexiglas, ancien employé de la Diamond, mais il nous l'a mise à l'envers. Ah bah voilà, vas-y, soigne-le. J'ai pas envie. Ah, bah moi je le soigne alors. Non mais c'est une blague. Allez, soigne-le. Ça a Dédé. T'as vrai, toi? N'importe quoi. Ah mais il est rouge partout, par contre, la forme. Quoi, n'importe quoi. Tu veux... T'as vu une aussi, toi? Donc, tabasser les gens, on peut pas réanimer derrière, ça n'a pas. Aidez-moi, il m'a dit même pas parce qu'elle est en train de mourir. Oh putain, j'ai voulu jouer avec eux, c'est qui eux? J'ai vu qu'il y a. Ouais, on se casse, Octavia. On n'arrivera à rien avec eux. Bon, ça va, tiens, quelqu'un. Bah, je sais pas si je ressens. Pour info, c'est toi qui comprends rien, fiston. Les verbales. Hein, Dédé? Ouais. Les verbalise ou on les laisse là, si, hein? Non, ils vont les laisser là. On les laisse là? Ouais, vous occupez des mecs dans le caisson, s'il vous plaît. Vous leur mettez la totale, trafic de stup, machin, trubidule. Ils parlent pas, même sous la menace de couper de tête, donc vous mettez la totale. Vas-y, Octavia. Tuez Cobra, direction cargo. Octavia, mets la totale. Ah, attends, je m'occupe de Pax là. Ah, tu t'occupes d'eux là? Ouais, tu t'en occupes pas? Ouais. Amuser un peu avec eux. Ouais, amuse-toi un peu avec eux, parce que je pense qu'ils ont pas compris en fait. Tu t'occupes des deux? Je sais pas, ils ont fait quoi? Kanamo pour t'aider, t'es sur la mauvaise radio, t'es sur Kanamo 3 Cobra. Ah, pardon, salut Cobra, ça va? Ça va, ouais. Tranquille, Abdullah? Oh, ça va, ça roule. La famille, ça va? Ah, on s'éclate. Vous êtes là, de Cobra Force? Oui, carrément. Vous avez chopé LSD? Voilà, LSD avec trafic, complicité de meurtre de policiers. Non, reste allongé. Reste allongé, tu peux pas. Bah ouais, bah préciser. Hein. Enfin, je sais pas. Bon, bah, vous avez compris que sous la menace d'un sabre, on peut mourir. Voilà, ça fait trois fois que j'essaie de vous l'expliquer. Donc, pour qui vous bossez et qui vous êtes? Dédé, il travaille pour Stallone. Pour l'instant, ils n'ont pas encore demandé d'avocat. Bon, je crois qu'on sait où on va aller. Mais faites gaffe que
Bon, vous occupez deux, ça me fatigue beaucoup. C'est bon, bah, il parle de multipack, il parle pas de. Non, toujours pas. Ah, c'est peut-être après fond de doigtier. Quand t'es venu. Mais ça peut tout, t'es de la police. C'est les deux qui a demandé. Quoi? C'est quoi? C'est que les avocats sont obligés de. Ah, sur écoute, on va y parler de transmettre, j'ai pas entendu. Alors, du coup, on a des gens au LSD, on vous a demandé en langue, mais c'est pour la même. J'ai pas compris. Pardon? Hors du gouverneur, les avocats doivent être présents à tous les interrogatoires. Je sais que vous êtes de la concurrence. Oui, bien sûr. Ouais. Voilà. Bah, la concurrence, c'est la concurrence. Enfin, c'est une petite concurrence hein, entre nous. On s'en va? Oui. Parce que entre des rebelles et des bandits et un magistrat qui va me dire il faut que tous les avocats soient là, moi je m'en vais. On a peur, on peut qu'ils s'enfuient. Il n'y a rien à balancer. Enfin, personnellement, j'ai... Du coup, si Sierra va s'en occuper, je lui ai dit de mettre la tête. Oui, oui. Oula, il y a un problème là, non? Oui, il y a plein de problèmes là. Fermé. Fermé. Merci. Merci. Allez, c'est parti, mon kiki. En avant, Octavia. Allons sauver la France, l'Altis, pardon. Allons, tu as des Pax. Il y a des Pax? Ouais, Ligades vers. Canal 1. Oh putain, mais qu'est-ce qu'ils ont tous ce soir à faire de la drogue? T'aimerais pas, Octavia, de temps en temps, t'allonger sur la plage, écouter de la musique et te baigner de temps en temps? De temps en temps. Ah, tranquille. Un petit barbecue. On met un peu de musique, on se baigne. Ah, tu vois, truc normal, quoi. Écho, qu'on valide. Du coup, pour Écho, on est de retour. Monster, je te hais. Naturellement, ceci est mon opinion personnelle. Il faut savoir que on a eu une rendez-vous. Voilà, je vais le dire en live parce que il faut le dire en live aussi. On a eu une réunion staff cet après-midi, enfin en début de soirée. Et on a dit certaines choses. On voulait du RP. Quand il n'y a pas du RP ou quand le gunfight est lancé pour de la merde, eh ben on sanctionnerait. Alors moi je suis d'accord là-dessus. Et on a créé un nouveau bureau qui s'appelle le bureau RP. Le bureau RP, c'est simple, c'est créer des histoires en faisant attention à leur incohérence. Qu'est-ce que l'incohérence RP? C'est-à-dire que demain, j'ai décidé de faire une prise d'otage pour récupérer du matériel militaire. Il ne faut pas s'étonner que, après la prise d'otage, je sois recherché pour prise d'otage et détention d'équipement illégal. Cohérence RP. Tu me fais une prise d'otage à 23h, tu gagnes 8 millions et 10 trousses, interdites, à 1h du matin je t'attrape, faut pas t'étonner que je te mette en taule pour prise d'otage et équipement illégal en fait. Voilà. En gros, cohérence RP. Incohérence, c'est... Je lance un gunfight parce que je veux des trousses des policiers et que le reboot après, cette action n'existe plus. Incohérence RP. Vous voyez la différence en fait? Aujourd'hui, on ne veut plus de ça. ALF est certes un serveur full de 160 places tous les soirs, certes, mais avec une incohérence RP absolue. Les seuls aujourd'hui que je félicite sur leur RP rebelle, ce sont les scorpions. Les scorpions sont très discrets. Ils ont des activités douteuses, plus que douteuses, mais RP parlant, je ne suis pas au courant. Mais ils la jouent super bien. Et pour ça, moi, les scorpions, je les respecte parce que c'est une famille rebelle, tout nickel. Franchement, top tip top. Crépy, salut Crépy, comment tu vas? Merci d'être présent ce soir. Vous pouvez serrer votre droite, s'il vous plaît, Viper. Merci. Bah tu m'étonnes, pauvre loulou, avec son otite. Marmoud, même moi, je continue des actions après les reboots, c'est logique. Mais c'est ça la logique RP en fait, Marmoud, et t'as bien raison. En fait, c'est pas parce qu'il y a un reboot serveur pour permettre une meilleure fluidité qu'il faut arrêter les actions. Non, moi quand je fais des actions RP...
J'essaie de savoir ce qui va m'arriver en faisant ça en fait. En gros. Là, je sais que si je suis chopé par les rebelles ou les bandits, ça va être énorme. Ça va être énorme. R6 grise, je vois que les jantes roulent qui est parti direct. Non, R6 on s'en fout. Ah bon, là, on l'a arrêté, les gars. Ah, mais on s'en fout. En gros, c'est ça. Et l'incohérence RP, on n'en veut plus. En fait, faut savoir que sur Arma, beaucoup de joueurs RP partent parce qu'il n'y a pas d'RP en fait. Aujourd'hui, sur LF, vous êtes quoi? Vous voulez quoi en fait? Vous voulez faire du pognon? Vous allez sur la RS6 qui arrive sur la DC. Et du gunfight. Voilà, du pognon et du gunfight. Bah non, en fait, nous, staff, c'est pas ce qu'on veut. On veut du RP. Voilà. Et on va vous. Alors, je vais rester mystérieux sur certains critères. Mais on va vous obliger à être RP à la prochaine mise à jour. On n'a pas pu voir, c'est une Mercedes. Voilà. Si t'es pas RP, tu perds tout. Une Ford Focus. J'en dirai pas plus. La concentration de voiture, la RS6 arrive sur vous. Refus de tempérer de la RS6. On la poursuit. Vous la poursuivez, mais n'oubliez pas de faire les sommations orales. Arrête-toi. On n'est pas violents, les gars, on est policiers. Tu comprends, on leur a dit de s'arrêter 4 fois déjà. J'ai fait la sommation. Est-ce qu'il est en train de se rediriger vers acheteur de métaux de Cobra Force? Ouais, fini. Est-ce que Cobra ou Viper peut déporter des unités sur Dragon? Nous avons le troisième véhicule. Essayez de le faire remonter vers la DC, s'il vous plaît, le véhicule qui arrive à l'acheteur de métaux, pour pouvoir lui mettre une RS de Cobra Force. Pour les Viper, on laisse Cobra sur la RS6, on part sur le Dragon, nous. Donc Viper, tout sur le Dragon. Attends, bouge pas, Antonin, bouge pas. Vous continuez la poursuite sur la RS6. C'est bon, tu peux y aller. Il remonte pas la route principale. Annulé comme Viper, c'est trop. Le véhicule est rentré dans la DC. J'ai annulé comme du coup, trop bon. Ok. Ah, de Cobra Lead, on est un peu tout seul là sur les RS6. On arrive de Viper Lead. C'est pas Lead pour Syrah. J'ai une T-Syrah passée, qu'un L-Syrah. Je peux avoir des batteries s'il te plaît? Ok, ça a cassé les positions Cobra. Ça a cassé sur Cobra, fier. Ok, on arrive. On est au-dessus de la colline. Ils veulent négocier. Ah bah vas-y, négocie rapidement. Comment ça lancer un fight, monsieur? Rapproche-toi. Il parle sur radio, il met première société. Encercle la zone, s'il vous plaît, pour tous. C'est reçu de Cobra 2. Allez, monsieur. Mettez l'arme dans le dos. Ouais, les armes dans le dos tout de suite. Tu t'en vas, t'es encerclé, tu sors. Non, il n'y a pas de code noir. Là. Qu'est-ce qu'il dit comme code noir? D'où tu dis code noir? Je crois qu'il connaît pas bien le truc, DD1. Ouais, je pense, ouais. Bah, allez, vous me le faites se rendre là, tout de suite là. Autorisation de menace? Affirmatif. Ok, tu mets tes mains sur la tête ou tu seras abattu! T'es trop loin, ouais, con noir. Allez, con noir. Info sur zone, DD. Con noir enclenché. Ça va? Bon, allez, vous me neutralisez tout le monde, vous me les interpellez. Des mecs, c'est quoi? C'est bon, il est con. Si. Non, il y a personne dans le coffre. Mais n'importe quoi, les gars. Un code noir enclenché, y a rien du tout là. Qu'est-ce que c'est que ces mecs encore? Ça m'a fait rire. Bon, allez, vous me les interpellez tous, direction B. Vous les avez. Ça a commencé par quoi? Refus d'obtempérer, c'est ça? Ouais, fils, c'est tout. Ok, bien reçu. C'est valide pour Viper Lead ainsi que Cobra Lead. Est-ce que vous avez réussi à attraper la Ford Focus RS noire? Pour les Vipers, vous avez la Ford Focus RS, c'est bon, le pack c'est avec vous? Vas-y, c'est la meilleure. Tout ce que je veux pas voir en fait. Quoi?
Bah ça, ce qui vient de se passer. Il veut négocier. Il sort. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu veux négocier? Code noir. Ok. Nul à chier. Voilà, c'est ce que je disais, incohérence RP. D'où tu fais en course poursuite et après tu dis il y a code noir. Oh la vilaine. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez une PMA en place? On en avait une mais elle a été annulée. T'es pas d'accord avec moi Octavien? Comment? J'entends pas avec la ligne. T'es pas d'accord avec moi? N'importe quoi là. On est d'accord sur quoi? Hein? D'accord sur quoi? Par rapport à ce qu'il a dit. Elle a été annulée. Elle a été annulée. C'est Doc, vous rappeler à la BA si vous voulez. Non. On est d'accord. En plus, il a Cobra Force, pour Cobra 3, s'il y a moins qu'on s'arrête sur le bord de la route, je vais mettre une saline qui me repart. Je vais laisser 10 secondes. J'ai déjà mis une. Bien pris. On se fait shoot de Cobra 3. Ok, on a. Je sais tout. Votre position, Cobra 3? Après le vendeur. Quel vendeur? Après le raffinement de fer. Ok, j'ai deux collés communs. Okay. Ouais, fonce, Octavien. Après le vendeur de Milan. À droite. Ok. Moi, personne. Pour information, les shoots sont sur Cobra 3, donc c'est sur après le raffinement de fer, les gars. Info sur vous, j'ai une. Reçu point de carte, s'il vous plaît. Activez balise, on trouve. Ok, j'ai un. On va remettre la PM en place. Bien reçu, je veux absolument des points sur carte, les gars. Et ceux qui ont les Pax blessés, je veux qu'ils aillent directement à la BA. De Dragon, j'ai le véhicule sous ma position. Reçu. Donc pour tous les Vipers, vous entourez la zone, le cercle noir, je veux que vous entouriez par le nord, l'est, le sud, l'ouest. Dragon de DD, marque, couleur et type de véhicule, s'il vous plaît. RS6 grise, on a Vini Coma et Fouri. Taï Delta, bienvenue à toi, merci d'avoir follow la chaîne. Ok, véhicule devant nous, tu vois? Devant nous. À 11h. À 11h. À 11h, Octavien. 11h, c'est à gauche. Bienvenue à toi, Delta. Bienvenue à toi. Merci d'avoir follow la chaîne. Je t'invite aussi à nous rejoindre sur Discord et sur YouTube pour voir les gars, les lives en review. Merci à toi. Merci de toi. Je vais faire un rond sur les mecs là. Il y a deux packs. Elle est pas en cours encore, le PMA. Mais on attend. J'essaye de pas casser. Je suis pas allé d'aller aider Kanamo là. Il y a deux packs sur. Ouais, c'est bon, les voilà. Il est descendu. Conducteur coma. Derrière la maison, derrière la maison, derrière la maison, derrière la maison, voilà, bouge. Du coup, info sur les blessés police là. On a. Sur position Odor, on a 3 comas s'il vous plaît. 3 comas police. Alternatif. On a colline. Tu m'en embarques deux rapidement si c'est possible. Normalement, c'est coma. Vous avez Cobra 3, on a Mathieu coma. Bah. Où? Là. Ah ouais, vu. Je les ai eu, je crois. Canon pour être fil. Transmet. La PMA, tu sais si elle est arrivée ou pas encore? Mets-toi en chef de bord. Mets-toi en chef de bord, je peux pas embarquer sinon. C'est le doc, venez derrière le doc, s'il vous plaît. Doc, s'il vous plaît, venez derrière, on a un combat derrière. Dans la RS6, Odor, t'as un pack. Ah, y'en a un dans la RS6, un dans le Strider, donc s'il te plaît, Strider, il te reste une place, viens derrière. Oh ah, les gars, pas d'embrouille et organisez-vous. Oh, les com radio, s'il vous plaît, merci. J'ai pas dit pour Foxtrot. Voilà, merci. Donc, Strider, s'il te plaît, viens derrière pour la troisième fois. Ah, pour nous, on croyait qu'il va juste reculer. J'ai pas dit pour Foxtrot deux fois. Foxtrot, réponse s'il vous plaît. Allez, écoute. On vous attend. Dans l'hélico, on va les. On est déjà dans notre véhicule là. Finalisez s'il vous plaît. Mettez-les dans l'hélico, je dis. Bon, les gars, ça va être simple. Ce soir, il n'y a que les gradés qui parlent radio. Le premier brigadier chef, brigadier ou chef d'escouade qui n'est pas chef d'escouade, parce qu'il y a des brigadiers chefs qui sont chefs d'escouade. Tous ceux qui ne sont pas chefs d'escouade ou chefs d'unité, vous ne parlez pas radio. Pour les autres, vous parlez radio. Voilà.
C'est reçu. Voilà, merci. Le canal 1 est le canal opérationnel. Seuls les chefs d'escouade ou informations urgentes sera autorisé à communiquer là-dessus. Les venez, venez, venez et hop, hop, et machin, et j'ai mis de la farine à la place des œufs, je n'ai rien à branler. Okay. Alpha pour Doc. Transmettez. Info sur la PMA, s'il vous plaît. Merci, c'est mon ami. Toujours aucune information. Et où ? Un peu plus loin. Ah, va le chercher. Vraiment très loin. Mais... Ah, va le chercher. Reste pas tout seul. C'est pas normal que t'es pas tout seul. Info sur jeune. Ah, mais c'est dingue hein, quand même. Les mecs, ils parlent tous en même temps. C'est incompréhensible. Mais oui, ils se disent pas, on va attendre. Puis quand vous avez aucune réponse en courte, vous passez en nombre. Ils disent pas, ouais, on va finir par pour Doc. Transmet. Venez sur le dragon, on va vous déposer deux packs. Blessés, vous les soignez. Ah, je pourrais pas tout soigner, mais j'ai déjà deux collègues. Hein. Pour tous les Vipers, on rejoint la position de Doc, on entoure la zone et on les protège. De Cobra Lead pour les unités qui demandaient de un doc, c'était qui s'il vous plaît? C'est Dragon. J'arrive. Bon allez, à toutes les unités, direction BA. Vous prévenez la sécurité civile, je vais voir des médecins sur zone qui soignent les PAX. Et on se rééquipe et on se réarme. Terminé. La sécu, ils ont déjà été appelés pour arriver sur corps à la PMA. Alors gaz, corps alors, on s'organise à pop-up les gars, professionnels de la police, là, de la sécurité urbaine, c'est nous. Alors on s'équipe, on y va, go, 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 go et go. Cobra Force pour le véhicule du coup de Tota, vous descendez, avec Cabino, il vous aide aux soins des PAX et des collègues en priorité. Collègues d'abord, PAX après. Voilà, collègues en priorité, PAX après. N'oubliez pas, collègues d'abord, PAX après. De Kanamo, est-ce qu'on a des collègues coma actuellement là? Affirmatif, venez sur le strider médical. Ils sont arrivés, ils sont arrivés. Deux unités avec nous. Alors au niveau de la PMA, je veux un périmètre de sécurité pour les unités qui sont encore capables d'assurer leur sécurité. Et sur place, je veux un doc, les policiers blessés et les PAX. C'est reçu? Reçu. Parce que moi je suis rebelle, là je tire dans le tas, je fais un massacre. Ils sont tous comme une des merdes. Nous, on est bien sur notre montagne. Ah, exactement, tous les deux. Regarde cette belle vue. C'est beau. J'aime beaucoup. Regarde ce gros tas de policiers là. Oh, regarde ce gros tas de merde. Ouais. Ça, c'est moins beau. C'est moins beau, ça. T'as pas des tas de merde? Non. Tu savais qu'un homme gros, tu savais qu'un homme gros est le meilleur amant au lit? Tu sais pourquoi? Non. Parce qu'il croit toujours que c'est la dernière fois. Bah, je pense que ça peut être vrai pour certains. Hein? Ça peut... Quoi? Je suis fatigué. T'es fatigué là, non? Oui. Octavia? Tu m'as abandonné là. Okay. Mon dieu. Triste octobre. Ouais. Il va venir baver. Oui. T'as arrêté de voir, non? Oh, putain, m'écoute et tout, putain la vache. Pour une fois que j'ai une femme qui m'écoute. Calibélix, si tu sais pas quoi faire, tu prends ton arme dans la main et tu sécurises le périmètre. Ah oui, ok. Voilà. Il y a une lacrymo qui... Ah c'est pareil, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et les gars, il y a un problème là. Je suis sur une colline, j'ai visu sur corps, j'ai 6 flics d'un côté, 6 flics de l'autre, comme des tas de merde. Et j'ai un flic, une recrue au milieu, les armes derrière le dos, tout va bien. Vous trouvez ça normal?
tous les Vipers qui sont sur place, vous avez 30 secondes pour vous mettre en position autour de corps. Les gars, il faut se les shoot dans le corps. Commandant, si je puis me permettre, hein, c'est juste des personnes qui viennent de sortir du coma, donc elles sont encore un peu déboussolées en fait. Non mais y a pas de soucis sur les blessés, par contre il y a des soucis sur les autres en fait. Ben oui, ben vous êtes en train de crier sur des personnes qui viennent tout juste de se relever. Dans mes jumelles, c'est pas ce que j'ai en fait. Tu vois le cobra là, dans la fenêtre? Ah ouais, je vois. 233 là. 400 mètres, 405 mètres, si tu veux lui mettre une tête. Et ouais les gars, c'est compliqué hein. C'est dur, mais c'est instructeur. De lead pour Foxtrot, changez de position, vous mettez côté est de corps. Regarde, y'a que eux à droite la DM, ils ont un minimum compris. Regarde, ouais, bah, non mais je sais bien. Y'a qui d'autre, y'a... Ah ouais, il y a aussi ceux qui sont derrière le moulin aussi là-bas. Ouais, eux ils ont compris. Donc eux c'est simple, je vais prendre les noms. Il y a nous. What? Alors, je félicite les noms qui suivent. Hein. Maxime Bellucci, Ivar Bodless. Je félicite également Darrell Cooper, Victor Lansky, Michael El Diablo, mais c'est pas compliqué sur CPA. Je félicite Mike Obamo et Dave Santiago. Je félicite N'Golo et Pierre Dumas. Je félicite Jorah Cabino et Alder Gambino. Jason Brassé, Antoine Tota. Et ben tous ceux qui ont bougé quand je leur ai dit en fait. Ça c'est du positionnement en sécurité les gars. Faut pas oublier, c'est pas parce qu'il y a une PMA qu'on n'est pas en sécurité. Ça c'est la règle numéro 1. Je couvre mon collègue d'à côté. Voilà, c'est simple, c'est précis. Moi, je suis rebelle, je me mets sur une colline, je vous shoot, je vous défonce tous. Vous trouvez ça normal? Non. La différence entre les rebelles et les policiers, c'est que nous sommes légaux et nous sommes des professionnels de la sécurité. C'est compris? Est-ce que c'est reçu? Et j'attends de vous des leaders. N'oubliez pas que je cherche des leaders. De Cobra Force, on n'aura pas que se réveiller sur nous. Reçu, merci. Merci mon petit Vaero de ton don de 5€, ça fait super plaisir. Merci beaucoup et merci à Trix de son follow, d'avoir follow la chaîne. Je t'invite également sur YouTube et sur Discord pour nous rejoindre pour des jeux communautaires sur R6 ou d'autres jeux en escouade intra-communautaire. Merci à vous les gars, merci beaucoup, ça fait super plaisir. J'ai oublié quelqu'un? Non, j'ai oublié personne. Tous le même bâtiment par contre. Hein ah, il y a que moi qui peux mettre les VIP, donc je mettrai les VIP. Et j'ai encore eu un POC. Qu'est-ce que c'est? Je suis pas content. Un Sono DD. Hey, wake up! Normalement, vous avez un blessé qui est parti au paradis qui va nous rejoindre à la BA. Allez, bouge ma poulette, on se casse. Ça, déconne. C'est qui pourrait tellement merdé, non? Merde! Je suis méchant hein, quand je m'y mets. Hein. Ah, je suis méchant quand je m'y mets. Pourquoi on l'entend parler? Bah, quand tu dis merde, c'est pas comme tu viens de parler à la radio juste avant. T'étais un peu énervé. Oui, parce que ça m'énerve. Les mecs, ils se passent comme des merdes et en plus ils gueulent. Donc ça m'agace. On va juste aller mettre de l'essence. À tout, je vais mettre de l'essence. On est sur le. J'aurais dû le dire. Donc je suis à la station de service DP11.
Foxtrot, on va venir avec vous pour mettre le plein d'essence. De prendre le ce qu'on avait réveillé, qui est arrivé au paradis aussi. Un deuxième qui est parti au paradis. Allez, c'est pour moi, Octavia. C'est comme hier soir, c'est comme avant-hier soir. J'aimerais bien qu'un jour tu me payes le resto quand même, parce que à force de te faire payer, toi, tu dois te blinder. Hein. Moi bon, ben, ouais. Une fois, c'était le salaire CPA. Ouais, c'est ça. Ah oh, putain, en parlant de salaire. Et en fait, Viper, vous êtes là, là ? Passage canal 2, s'il vous plaît. On va parler pognon. C'est bon. On y... Ah là, vous venez vite hein, dans le channel, bon enfoiré. Venez déjà. Bon, bref, vous avez pas eu vos payes ? Ok, bah vous traitez les packs, vous sauvez les vies et on se retrouve bien, je vous paye. Yes, ça fait deux mois quoi. Non, non, négatif. Le mois dernier, c'est moi qui ai payé de ma poche, bon enfoiré. C'est pas moi qui l'ai appelé, c'est quoi ? Moi, il a volé 30 millions. Donc allez, vous terminez, vous vous dépêchez, direction BA, paye de salaire Viper. C'est rien, il a posé sans ça, ça a sorti du coma. PMA dure 3 heures. Ouais, bah, c'est long. Y'a que moi qui peux faire les... Bayron, il est où Bayron? Bayron, il est pas donateur, si. C'est un salaire de combien? Je sais plus, 20 millions. Mais enfin, par personne. Bah, je sais même plus combien on est 16. Ouais, un truc comme ça. Bah, faut que je regarde sur mon téléphone. On est 16, je crois. Hop. 1, 2, 3, divisé par 16. Ça fait 1 million 5 par personne, pas beaucoup. Hein. Alors, chaque fois que tu vas là, tu fais ajouter, tu mets le nom du mec précisément. Voilà. Oh merde. Bah oui, hein, précis, j'ai dit. Oh. Ah, sur ton téléphone. Je suis en train de lui apprendre comment mettre les rôles. Évacuer. Bien reçu, rendez-vous BA les gars pour réapprovisionnement et salaire Viper. Allez, comment il y a tous les cobras, c'est la même RTBA, on va récupérer les morts. Et de doc pour tous, BA levé. Y a-t-il un général qui est présent ce soir? J'en ai pas vu de cobra fort. Bien reçu. Bon, bah, c'est moi le patron en fait. Allez, tous les cobras, RTBA. C'est bien reçu de Viper. Donc, pour tous les Viper en passage canal 2 et RTBA. Ouais. Canal 3 pour Cobra. J'ai pas. Et je reviens les gars. Je reviens tout de suite. Ouh.
T'es là, Dédé? Oui, il y a plus personne qui parle. Test aussi. Je me sentais seul d'un coup. Moi, ça a changé ce que j'ai fait. Vas-y, passe. Je sais pas, je connais pas. Oula. Du coup, j'ai parlé un petit peu moins fort du coup maintenant. Bon, ils vont dormir. Hop, désolé, je suis de retour. Voilà, petit problème technique. Le chat. Problème. Former la jeunesse. Faut que tu rigoles. Le message qu'on a reçu. Il y a un mec qui se fait prendre en otage, il dit sous barreau noir, conducteur type africain. D'accord. Sympa le mec. On transmet pour lui. Transmet pour lui. À la DA à propos de beaucoup de gens. Ok, c'est reçu. De quoi? Il y a Jeff qui va te parler. C'est qui Jeff? Jeff. Jeff qui? Sierra. Ouais. Il y a beaucoup de. Beaucoup de gens qui veulent me parler en fait. Normal, t'es fini. La prise d'otage se ferait au niveau de route principale, direction Diamond. Hey, wake up! PO certaine? La PO elle est certaine ou pas? Allô, unité? Allô, est-ce que quelqu'un me reçoit sur la radio? Affirmatif. Voilà, est-ce qu'il y a une prise d'otage? Aucune idée. Est-ce que vous avez pris en compte l'avant-dernier message? Apparemment cette PA est partie. Putain, c'est grave, les mecs. Hein. J'aurais pensé qu'ils vont répondre. Dieu. Tellement sous mes 100 000 euros sur la police. Bon, t'as un petit souci. C'est ça. J'ai un de tes gars, un moment Viper, le Dylan Mascoupou, qui a promis de l'argent à ces Gibusta qui nous aurait livré des canons. Non, mais c'est pas avec Dédé que je dois voir. Petit Masqueto est intelligent parce qu'il dit que la police va le payer. Dédé va les payer. Les gars, ils comprennent pas que c'est pas avec toi que je dois voir ça. Attendez. Dédé, nous de Cobra, on va aller voir Douane. Apparemment, on a un signalement là-bas de bandir. Ouais, vas-y, vas-y. Je leur ai dit que c'était pas toi, mais ils comprennent pas. Non, mais bah, ouais, c'est pas moi en fait. C'est pas ton gars, le petit Viper? Si, c'est un gars que je vais tabasser, ouais. Mais ça va être le sien, je vais voir ça. Voilà, t'as tout compris, Yori. En gros, je t'explique ton petit. Comme ça? Ouais. Il a dit que je devais être, que il allait me payer aujourd'hui pour ce que je lui ai emmené hier. Bah, moi, j'attends mon virement en compte en banque là. Eh bah, tu vois ça avec lui? Mais
fait pas hier. Tu sais que c'est une recrue. Quoi ton collègue, c'est pas mon. Mais qu'est-ce que tu me parles toi? Vas-y, toi tais-toi, toi t'as pas à parler toi. Je t'aime Dédé, merci. Voilà. Bon bref. Qui t'a promis Dylan Masketo, c'est ça? Ouais, il lui promet des. J'ai son numéro. Bon, eh ben moi je vais m'arranger pour qu'il te paye, ok? Ouais, mais je lui avais ramené 3 camions de tabac en tout. Tu l'as ramené quoi? 3 camions de tabac, d'accord. Plus les mecs, donc la paye elle va être salée. Eh ben il payera. Même si vous êtes avec monsieur, le temps. Il promet qu'il payera, donc il payera. Je te fais confiance, Tété, t'inquiète pas. Non, mais t'inquiète pas. Bah, avec moi, ça a marché comme ça. Pour ce que ton gars a dit, qu'il s'est fait écraser, c'était pas mon pote. C'était un mec qui a fait une course avec moi sur la route et il s'est mis devant comme avec malchance. Comment ça? Parce que tu fais des courses, toi, maintenant? Le mec, attends, il était 4h du matin, il m'a dit t'as fait rien, elle avance pas. Je lui dis t'es sûr? Il a dit ouais, bah voilà. Donc t'es en train de me dire que t'as fait de la merde? J'ai pas fait de la merde, c'était les gars, ils ont pas voulu jouer après. Bah, mes gars, ils sont respectueux, tu vois. Je les ai respectueux aussi. Si bon, j'ai respectueux. Toi, tu vas fermer ta gueule, toi. Allez, quoi, va changer ta couche et tu vas en me parler après. J'ai des sous pour toi de toutes mes arrestations et mes interpellations. On verra ça tout à l'heure. Bon, tu vois ça avec ton petit Dylan Masquedo. Et j'aurai l'exploratrice, viens voir, tu vas monter dans ma bagnole, toi. Au pire, je te les file, Dédé, et puis on envoie, on parle de ça après. Au pire, tu les files, et voilà, y'a plus de dettes si tu me files l'argent. Ouais, c'est ça, ouais. Yuri, va voir si le petit chapeau rouge là-bas il se balade avec le grand méchant loup. Ah non, il est plus là, je l'ai pas vu. C'est moi, le perso. Ah bah, ça tombe bien, le chapeau rouge il t'attend là-bas. Tu vois ce que je veux dire ou pas? J'ai ma crinière, regarde. Bah, ouais, je vais voir ça avec mon gars, ok? Vas-y, tu me tiens au courant, bisous. Ouais, ça marche, bisous. Jura? Ouais. Monte dans la voiture. Vas-y, on se. Tu vas fermer ta gueule, toi, t'es brigadier, tu fermes ta gueule. Vous étiez là? Tu fermes ta gueule, t'es brigadier. Quand tu seras gradé, tu l'ouvriras, là, tu fermes ta gueule. Et juste... Quoi? Je voulais vous expliquer parce que le monsieur, en fait, il se permet de rentrer dans la BA armée, de vous prendre une chaise dans le bureau, de l'installer au milieu de la cour et de se mettre... Ouais, bah tu le prends, tu le tatanes, tu le menottes et tu lui mets ce qu'il faut. Là, tu sors tes couronnes. Ok? Patron, vous Dédé, ouais, voilà, bon, on se casse, c'est ma bagnole, sort de ma bagnole, toi. Dédé. Ouais. En cas de confirmation de PO, autorisation de prendre la négociation ou tu veux la prendre? Non, mais alors les gars, putain, vous avez quoi sur vos épaules, les gars, là? T'es quel grade, toi? Du nord. Bon, donc t'as des coronets. Ah oui, mais j'ai demandé au Vélide et il m'a demandé de voir ça avec vous. Donc, tu as une expérience. Affirmatif. Bon, donc tu prends l'initiative et tu montres au brigadier que t'as des couilles et que tu sais comment traiter. Ouais. Moi déjà en recrue, j'en avais des énormes. Bon les gars, on est 4 jours aujourd'hui là. On est lundi. Lundi, vous avez 3 jours pour faire vos preuves. Voilà. Allez hop, on se casse ma poule. Pour information, il y a une prise d'otage. Hein. Ouais, mais on a toujours pas été informé par les preneurs d'otages. Est-ce que quelqu'un a répondu à l'avant-dernier message de la police? À l'aide, quelqu'un me prend en otage. Je suis vers le. Oui, affirme-moi, Diablo. Et t'as une réponse? Aucune réponse. C'est ce que je dit, pardon. Est-ce que t'as vérifié le point 064-156? Près du stade de Kavala. Donc, et ça donne quoi? On a été check, il y avait rien. Voilà, c'est ça les réponses que je veux en fait. Aucune revendication? Pour l'instant, négatif. Ok. Donc là, on prend le téléphone. Il est quelle heure? Il y a 7 minutes. Je sais pas si vous avez une longue, mais il y a des packs sur Cobra. Et ben voilà, Cobra, information. Cobra, 8 packs avec plusieurs ailes. Bien reçu. Pourquoi j'ai plus le chat? Je suis méchant, Octavien. Non, j'ai rien fait, moi. Non, mais tu trouves que je suis méchant, là? Non. Un conducteur, je crois. Ouais.
conducteur. Bon. On va conduire. Ah mais si tu vas mettre en conducteur en passager alors. Ah. Bon les gars, c'est voilà, il y a les RP et tout ça quoi. Mais bon, on s'en fout quoi. Ah, j'adore mettre des brasses. Ça fait du bien. Ça fait du bien de mettre des brasses de temps en temps. Ça soulage. J'adore. Je kiffe. Parce que en fait, les limites du RP, c'est quand t'impactes le mec derrière son écran. C'est complètement con, hein. Mais la limite du RP, elle est là en fait. Là, tu sens que le mec, il a plus de RP en fait. On parle à la langue. Pour tous les Vipers, vous prenez position autour de la zone de Cobra, vous encerclez tous les azimuts. Transmettez pour Spring. Faut que ça transmette plus. Bon, je chute là. Alors ? Aider. Oui. Le CPA qui demande si on peut faire un binôme. Ah, si on peut faire un dragon, pardon. Qui nous ? Oui. Ouais, bah allez, go. Okay, c'est piloté, toi ? Tu sais piloter ou pas, toi ? Ouais. Bien ? Ou bien, bien ? Bien. Bonsoir, je vais répondre à la porte qu'on a déployée. Donc, moi je vais tirer en fait. Ouais, après, si tu veux piloter, oui. Ah non, moi je sais pas. Il n'y a plus qu'un CPA ? Non, apparemment il y a 3 dragons, je sais pas pourquoi. Il y a quoi ? 3 dragons, il en veut un quatrième, je crois. Je sais pas. Moi je suis un DJ ou je suis pas un DJ, bordel ? Bonjour messieurs ! T'es équipé ou pas, pas ah bah voilà, range-le là. Range-le là. C'était pas équipé ça. Ça sert à rien. Normalement, moi je suis équipé. Celui-là ou pas? Et ce que là? Ah bah là, il est pas équipé non plus. Du coup, bon, j'informe sur la précédente, on les a aussi la partie quand ils étaient en sous-nombre sur le tir. Bon, attends, je suis pas équipé, hein. Garde, mais stationne-toi là-bas, là. T'as entendu ou pas? Ouais. Alors, attends, je mets mon arme là-dedans, je bouge pas. Tu veux toi? C'est à moi que tu parles comme ça là? C'est à moi que tu parles comme ça là? Hein? C'est à moi que tu parles comme ça là ou quoi là? T'as cru que t'étais en maison de retraite ou quoi? Que tu m'appelles les cons que c'est mort là? Vas-y, ferme ta gueule, allez, change la porte là. J'ai plus envie de te parler. Quoi? Mais vas-y, mais plein, vas-y, porte plein. Vas-y. Ouais, mais t'as intérêt parce que sinon je t'aurais cassé la bouche et t'aurais jeté tes dents. Vas-y, qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Quoi? Elle est possible, c'est bien, c'est le tour. Quoi? Elle est possible, c'est bien, c'est le tour. Quoi? Avec la batterie en plus. Sans déconner. C'est vrai? Ouais, il est passé dedans, c'est possible. Vas-y, fais. Eh, tu sais quoi? Je prends ta plainte si tu me fais Tarzan correctement. Bah, bon, tu peux pas faire Tarzan, tu sais. Vas-y, fais Tarzan, fais Tarzan, fais Tarzan. Faire Tarzipette, mais pas Tarzan. Mais fais Tarzipette alors. Ah bon, là, voilà. Allez, vas-y. Si tu. Vas-y. Oh. Vas-y. Ça va pas être possible, mon cousin. Eh ben, je prends pas ta plainte, c'est pas possible. Non, mon cousin, reviens, mon cousin. Eh hey, oh, l'auto, elle est cassée, l'auto. Je veux la réparer, l'auto. Alors, fais Tarzan. Bon, ça va pas être. Tu veux faire Tarzan, mon cousin? Vas-y, fais Tarzan. Pas Tarzan. Eh ben, pas de voiture réparée. Salut. Pas négocier, mon cousin. Bah, et je peux pas, là, j'ai un mec qui est pris en otage, mec. La batterie, je l'ai eu au rabais, tu sais, parce que j'ai eu au. Allez, vas-y, fais Tarzan et je te répare la voiture. Ah mais la voiture je parlerai pas rien, j'ai porté plainte. Eh ben porte plainte alors. Si tu fais Tarzan, mais si tu veux déposer plainte, tu fais Tarzan. Si tu fais pas Tarzan, tu déposes pas plainte. Tarzan, mon
cousin. Mais monsieur, vous êtes censé être à notre service là ? Bah ouais, mais moi je vous emmerde. Hop. Ah bon, allez, fais Tarzan. Mais quoi ? Ils ont craqué. Allez, salut. Et c'est quoi pour les joueurs, c'est quoi ça ? Mais non, mais si, vous savez, mec, ça. Ah mon cousin. Allez, vas-y. C'est des gangsters. T'es censé nous aider, beaucoup. Mais je suis en train de t'aider, je te demande de faire Tarzan. Bah mais ça va être pas ça. Mais Tarzan, c'est comme à l'école. Si tu sais pas lire, tu sais rien. Si tu sais pas faire Tarzan, on sait pas t'aider. Vas-y, fais Tarzan. Je sais pas faire Tarzan, moi j'ai appris à récupérer le cuivre. Vas-y, fais Tarzan. Si tu fais Tarzan, je répare ta bagnole. Voilà. C'est le deal. Pas besoin de réparer une voiture. De ce quoi, c'est porter plainte. Eh ben, tu veux déposer plainte? Ouais, parce qu'elle a cassé l'auto. Eh ben, fais Tarzan. Bah, je sais pas faire Tarzan, ouais, c'est quoi Tarzan? Eh ben, moi, je sais pas prendre une plainte. T'es Tarzipette? Tarzipette, c'est... What? C'est Tarzipette, ça. Ok. Tarzipette, alors... comme gitan, là, t'es viens voir, viens voir. Pousse-toi, toi. Vas-y, pousse-toi, là, t'es sur mon chemin. Mais vas-y, qu'est-ce qu'il y a? Mais rentre dans le bureau, va chier un coup, là. Allez, hop. Regarde, viens, tu me montres un truc. Parce que toi, t'es une gonzesse, toi. Hein. Mais regarde. Toi, hier, je suis venu hier soir. Hier soir, je suis venu là. Je me suis assis comme ça, là. Hop, je suis allé pisser un coup, là. Hop, là. Ouais. Et je suis allé faire caca. Oh, je me suis relevé. Je fais ça dans le buisson, mon coup, c'est mieux. Et là, d'un coup, ça fait. Oh, hop, et j'ai largué une caisse. Ah ouais? Ouais, franchement. Ah, mon coup, je fais ça dans le buisson, c'est plus à l'aise, mon coup. En plus, c'est naturel. T'as pas besoin du trône pour faire ça. Hein. Non, mais c'est vrai, mais bon, à un moment donné, se laver le cul avec de l'eau, c'est chiant, quoi. Bon, ouais, je mets de la femme, ouais. Bon, allez, c'est pas tout ça, mais j'ai des otages à sauver, moi. Je t'ai fait Tarzipette et mon cousin. Non, mais t'as fait Tarzipette, mais t'as pas fait Tarzan. Bon, bah, d'accord, ouais. Et salut, mon cousin. Allez, fais Tarzan. Bah, je sais pas faire Tarzan, mon coup, je sais faire Tarzan. Bah, moi, je sais pas prendre des plaintes. Ah, ouais, d'accord. Ton métier. T'es pas concentré avec la voiture. Là, c'est moi, du coup. Je crois qu'on vous a besoin de. Oh putain, j'ai 1 million sur moi, con. What? C'est vrai? Comment ça? Bah, je te jure. Oh, en ce moment, je suis pas mort. Lynx, acheté. Chargeur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Accessoire Lynx, c'est quoi? DMS? Ouais. DMS, hop. Ou MOS? Ouais, DMS. Hop. 1, 2, 6, 8. Un viseur où tu peux avoir une mire. Hey, mon Joe, là. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? La plainte, elle va pas se faire toute seule, mon Joe. Eh bah, fais Tarzan. Bah, mais l'auto, qui s'est réparé l'auto? Bah, fais Tarzan et je te répare l'auto. Mais qui s'est réparé l'auto avec la batterie? Fais Tarzan! Elle faut une batterie avant. Ouais, bah, fais Tarzan et je te donne une batterie. En plus, c'est un 2 cylindres l'auto, c'est une laquelle, c'est vrai. Fais Tarzan! J'ai les points de culette. Fais Tarzan, je te dis. Moi, je sais pas faire Tarzan, je sais faire Tarzan. Eh bah, tu sais pas faire Tarzan, je sais pas réparer. Vous savez, t'as un zoo, c'est un Ouistiti. Qu'est-ce que tu fais? J'avais la même cage dans le camping-car, dans la camping. Déjà, je comprends pas le gitan. Excuse-moi, ta caravane, elle est toute seule ou comment ça se passe? Ah, c'est pas la caravane, c'est la camping. Ah, c'est le camping. Et en plus, je vais te dire un truc, j'ai pas les clés, mais tu peux te faire un doute si tu veux. Écoute, je te propose un truc. Vas-y. Tu touches mes pecs et je te répare la voiture. Mais la voiture, je parais pas, tu me portes tes plaques, toi. Vas-y, touche mes pecs. Tes pecs, à travers le garage, là? Bah, vas-y, démarre-toi. Tu touches mes pecs, je te répare la voiture. Ok, je te touche où je veux. Fait que c'est contracté le musclo là. Bah ouais, mais là ta main dépasse pas le grillage. Ouais, bah attends, je suis en train de toucher là. Et... Ouais, bon, allez, laisse tomber, t'es nul à chier toi. Oh bah c'est. Ouais, comment il me parle Joe là. Ouais, excuse-moi. Non, allez, à plus. Bisous. Eh, passe le bonjour à maman hein. Et manger du hérisson, c'est gratuit. Oh, c'est du diglo qu'on mange encore. Des quoi? Du diglo qu'on mange. Tu connais la blague à deux balles? Tu connais la blague à deux balles? Eh bah moi non plus. Regarde, c'est une balle, deux balles. Allez, à plus. T'as l'idée de mal penser ou quoi? Pourquoi? Hey!
Allez Octavia, vas-y bouge ton corps. Alors ils vont repartir alors très loin dans le nord-est, mais en signe de bonne foi, j'ai réussi à obtenir, ils vont déposer tout leur équipement illégal dans les véhicules, ainsi que les armes, et là maintenant je voudrais parler à l'état-major directement, au commandant. Transmettez. Donc alors est-ce que ça vous intéresserait d'avoir au futur une discussion préalable avec eux sans armes ni rien, dans un coin, une négociation on dira posée afin de discuter de l'avenir de l'île avec vous. C'est qui ces gens-là? C'est l'armée. Ils ont changé d'avis? Non, c'est moi qui ai réussi à obtenir ça d'eux. Alors, seul à seul avec eux, dans... alors moi j'en donne rendez-vous dans la boîte à cul au moment et à l'heure de... que j'aurais choisi. Je vous laisse la négocier la prochaine fois pour ça. Non, négatif. Un rendez-vous. Si nécessaire, je pourrais peut-être dans un futur faire en sorte qu'ils viennent sur une position de négociation. Ah bah là, la position de négociation, c'est la boîte à cul. Eh ben vous mettez toutes les armes illégales dans la voiture et vous leur dites que le haut commandement leur donnera un rendez-vous dans la boîte à cul au moment précis. C'est reçu, je transmets ça. Santiago et Obama. Et arrêtez de vous recharger toutes les voitures. Oui mais c'est bon, arrêtez de vous coller à eux et bougez pas. C'est reçu. Bravo pour CPA. Transmettez. On a fait fuir le TE sur la ligne. De bonne foi, on mettrait pas nos armes dans le dos sur ce sur négociateur. L'ordonnée aussi. C'est bon, il va se poser. Vous confirmez qu'ils ont tous mis les équipements dans les véhicules, c'est bon? Négatif, ça c'est hélicoptère. Il va se poser. La négociation. Le dragon qu'on sait faire. Dragon qu'on sait faire. Transmet, on a un LKF qui se pose sur la plage. Non, on commence rien du tout, fiston. On est pas en voie faible déjà, ça il sera contentant d'avoir les hélices. Les négo à tous, ils vont repartir, tout est bon. Négatif, les hélicoptères sont encore équipés. Oui, laissez partir. Non, tu vas te remettre là où il a tiré l'hélicoptère. C'est faux. On retourne en BL. Ouais. Pour se limiter de carbone. C'est quoi ton BL? À tous de DD, je vous ai entouré une zone en noir au bord de l'eau. À vérifier s'il n'y a pas des arbres qui traînent là-bas. Non, personne ne m'entend. Normal, tout va bien. DD. Oui. Oui.
Oui. Oui. Tu m'entends pas? Je t'entends. Ah bah vas-y. On retourne en VL ou quoi? Ouais, ouais, on retourne en VL. Salut To, bienvenue à toi, merci d'avoir follow la chaîne. Je t'invite également à nous rejoindre sur YouTube pour voir les lives et sur Discord pour jouer en communauté. Merci à toi. Merci beaucoup. Salut Cordias, alors quoi de neuf? Olé, comment ça va, quoi de neuf? Non mais je m'en fous en fait. Allez, vas-y, je t'invite à sortir, fiston. Allez, vas-y, ah, hop. Merci d'avoir ouvert la porte. Ouais, ouais, casse-toi. Tu pues la sardine. Ah, bah, je t'ai toujours tutoyé, c'est pas demain que ça va changer, hein, fiston. C'est qui ça en fait? Ça, c'est comment? C'est ton pire cauchemar, fiston. Commandant. Oui, c'est commandant. Il appelle l'avocat, fiston. Oui. Il veut pas me donner des granolas aussi, tant qu'à faire. Il m'appelle. Non. Et je dirais. Attends, mais comment, quel nom? Commandant, tout simplement. Moi j'ai le même nom sur Discord. A plus Cordias, à demain. A plus dans le bus. Bon. Ouais, c'est ça, rentre chez toi, j'espère que tu vas crever la bouche ouverte. Salut papa, prenez vos cachets, le dentier dans l'eau. T'inquiète, fiston, quand t'auras les freins coupés. Si tu essaies de freiner, freine pas, ça sert à rien, je les ai coupés. Je suis déjà circoncis, c'est bon. Non mais je te parlais pas de ta machin, hein. Je te parlais de ta vie en fait. Putain d'avocat. Ouais, c'est un peu limite. Ouais, c'est ça, ouais. On se retrouvera devant un bureau d'avocat. Fais gaffe, parce que je vais devoir mettre en place beaucoup de choses. Hein. Ouais, il y a du boulot. Hein. Vas-y, je t'écoute. Hein. Donc, bon, la Sierra, on la laisse comme d'habitude. Par contre, il faudra que je prenne deux personnes au hasard à la police pour faire les enquêtes internes. Quand s'il y a corruption, on la nage. Ah bah, moi, déjà. Oui, donc voilà. Et tu me trouveras un deuxième, impartial, qui connaît le code de justice. Stivers. Ouais, bah au moins c'est clair et net avec vous. Voilà. Donc s'il y a un problème, s'il y a un policier qui fait autre, qui a un mauvais comportement ou autre, vous devrez vous en occuper pour, en tant que police de police. Non, mais t'inquiète pas, on va s'en occuper. Voilà. C'est vert pour le dragon. Bah de rien, c'est normal. Quoi? Donc... T'inquiète pas. Ça va bien se passer, voilà. Monsieur le ministre. Contre, tes avocats, faut qu'ils comprennent la différence entre avocat et magistrat, en fait. C'est pas avocat, c'est pas mes avocats, c'est des avocats privés. Ouais, bah justement, il faut qu'ils apprennent à faire la différence entre un avocat privé, un avocat public et des magistrats, en fait. Les avocats, on s'en bat les couilles, en fait. Voilà, tu rentres chez toi, en fait. Tu vois, c'est... Dégage. T'as rien à foutre chez moi, en fait. Ils ont le droit d'entrer à l'entrée, mais pas rentrer dans la propriété de la police. Exactement. Et ça... Je m'en occuperai personnellement, moi, de leur faire respecter un petit peu les limites de mon territoire et de leur territoire. C'est pour ça que je suis méchant avec eux. En fait. Ils ont le droit d'entrer dans les bureaux pour... Oui, oui, dans le bureau. Sous escorte policière. Sinon, bim, ils peuvent tomber dans les toilettes. Ah, tomber un avocat. Ah, un avocat par terre. Pas escorte policière, sinon on va être là tous en délit. De toute façon, ils sont droits seulement au bureau d'en bas. Ils sont pas droits en haut. Voilà. Après, je suis en train de voir, je suis en train de tout remettre, je suis en train de faire un règlement pour eux. Alors, ils sont droits de demander le dossier d'un client. Ouais. Donc, faut que vous leur donniez le dossier du client, sinon. Ah ouais, mais ça c'est la Sierra, c'est pas. C'est oui. Viper, salaire. Donc voilà. Regardez, monsieur le ministre, regardez. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
plus de salaire. À la semaine prochaine. Ouais, vas-y, Gaëtan, pardon, excuse-moi. Donc là, je suis en train de mettre place ça. Donc, quand il demande pour une enquête, si c'est une enquête, vous réexpliquez que l'enquête est toujours en cours. Et si vous avez besoin de savoir plus pour l'enquête, ils doivent venir me voir, moi ou Mitchell, pour une enquête. D'accord. Vous avez juste à répondre ça, comme ça, vous avez... Vous êtes pas embêté. Pour Doc, ça donne quoi ? Pour un dossier, s'il demande... On est en train de discuter avec la... Ils sont le droit, ils sont dans le droit légitime en tant qu'avocat. Ok, s'il y a rien, vous pouvez partir, on et demander la fiche. Ah, fiche, on sait pas. Donc, d'accord. Je leur explique, ils prennent... Ils sont pas obligés de le donner tout de suite, ils l'envoient après, quand ils sont occupés. Donc ils prennent un machin, et voilà, pas plus, pas moins. Pas plus, pas moins, t'es oui, sûr pas plus. Oui, ça, je leur donne le dossier de leur client, les infractions, tout. Ah bah oui, normal. Pour qu'ils soient en termes. Un policier, alors là, il doit faire une lettre officielle, me l'envoyer, et après je te la donne. D'accord. C'est comme ça que ça fonctionne. Je veux tout que ce soit rédigé. Je veux que tout soit rédigé par une lettre. Comme ça, on ne sera pas emmerdé et on ne se fera pas avoir. Ouais, bah oui. Donc voilà. Ok, ok. La liste des avocats, tout ça, tu l'as sur le truc gouvernement. Je t'ai tout mis en ordre. Donc, tu les as tous sur le gouvernement. Si t'en as un qui se présente et qui n'est pas sur le machin, tu l'envoies balader. Mais c'est toi le plus vert. Ouais, ouais. Là, tu ne cherches même pas à m'indiquer tout ça, je te dirais. Je suis d'accord avec Hugo. Là, tu en fais ton machin à côté. Donc, voilà. Viper, je vous attends pour la paye. Hein. C'est qu'un début, les gars. C'est de notre interaction avec la population. Ouais. Non, tu as pas le pognon, toi. Quoi ? Tu as du pognon, toi ? Là, j'en paye les couilles. Si, je dois te faire un coup. Par contre, Quoi? Si je prends pas mon pognon, il va où? Il va dans la poche des autres. Dans la poche du? Des autres. Des autres. De moi. Si, tu vas... Tiens, dors, okay. tiens, vas-y. Ok, ça va. Ouais, c'est ça, ouais. Si faites-moi une ligne. Fais-moi une ligne. Donc, sauf ceux qui ont reçu, comme Octavia, t'as eu ta paye, déjà. Dégage. Oublié. Te dire. Et combien, Octo ? Par contre, ça, je vais bien clair et net. Quand vous avez un détenu, quand vous faites une fouille, quand c'est un homme qui fouille l'homme. Allez, gars. Ça va être une femme qui doit fouiller une femme. On est bien d'accord sur ça, Dédé ? Ouais, ouais. Sinon, parce que j'ai une petite plainte par rapport à un mec de chez. Allez, dégage. Un policier qui a fouillé une femme. Et la femme a demandé un agent féminin. Et elle a le droit. Mais on n'a pas de femme, nous, en fait. À part Octavia, on n'a personne, nous. Voilà. Allez, dégage. Ah, il y a Kali maintenant. Non, mais arrêtez de me donner des pognons, moi, je sais plus après. Putain, moi aussi, j'ai de la SO de données. C'est qu'un début, les gars, de la paye. Hein. Moi aussi, j'ai aussi des SO de données, je sais pas combien, mais je suis aidé. Moi, je te dois 1,3 million. Alors, gros, moi, j'ai fait une erreur sur le doc, au lieu de mettre 800 000, j'ai mis 8 millions. Et n'oubliez pas, les gars, quand vous me donnez l'argent, de marquer OK sur le doc. De quoi ? Quel doc ? Non, mais c'est bon, j'ai autre chose à foutre. Hein. Doc, c'est toi qui le mets. Ah bah non, j'ai rien à te donner, moi. Moi, j'arrive pas à voir. Ah ouais, Dédé, c'est toi qui dois marquer, moi, je peux pas valider sur le doc. C'est toi qui dois marquer OK. Ah. C'est pas nous. Ah, c'est bon, réfléchissez, c'est bon. Ouais. En fait, j'ai rien. Mais moi aussi. Moi, j'ai donné déjà. Moi, j'arrive pas. En même temps, tu peux rien, comment ? Ouais, c'est la. Celui de la. Quand on est là, on a une prime ou pas ? Qui ? Alors, les gars, vous êtes au courant que. Attends, viens là, toi. Oh, putain. Eh, arrêtez de me fouiller des vestes là, parce que je vous tâtonne tous là, putain. Ouais, je te donne. Mais j'ai rien fait, moi. Si, t'as fouillé mon sac ? Mais non, je te jure, voilà, que j'ai rien fait. Oula, Gérard, ça veut dire quoi, Oula ? Ça veut dire qui gère sur son dieu, en fait. Le dieu Allah. Ouais, ouais. Rien du tout. J'ai pas le droit de parler de cochon, donc vous avez pas le droit de parler de... Je sais pas quoi, là. Pierre Dumas, viens ici, toi. Du coup... C'est qu'un début, hein, pour l'instant. Ah, mais
Je te okay. donne l'argent en fait, c'est pas oui, assez... oui, après. Non mais je sais pas, j'ai pas suivi en fait, tu me diras si pardon. T'es où toi? Go. Kelvin, non. Ah, et... non. Du coup. Putain, mais t'es qui toi? Dumas. Comment? Oh, y'a trop de monde. Dumas. Ouais, casse-toi, ouais. T'es gros. En fait, il est en train de dire que t'es gros en fait. Ouais, moi j'ai besoin d'accéder au panneau. Suivant. C'est qui qui a Kelvin. Dit que le merci, mon commandant. C'est qui a dit que le ministre... Victor, t'es CPA, dégage. C'est lui, monsieur. C'est lui. Victor c'est, lui. C'est pas moi, arrête de mytho. T'as pas besoin de paye, c'est toi. Ouais. What? Mais putain, t'as eu combien, là? C'est tout. 1 250 000. Ouais, bah pour l'instant, c'est ça. Ouais. Du coup, je t'ai donné l'argent. Youpi. Ouais, j'ai vu. Mettez OK sur le doc pour ceux qui m'ont donné là. Mais on peut pas en fait. Antoine pour Scott. Oh, faites chier, putain. Ah, c'est putain, le chef. Chier. Ouais, vivement que je sois plus votre chef. Hein. Vivement que je me casse parce que j'en ai marre. En fait. Nous aussi. Hein. L'aide. Il faudra nous dire qui a donné, qui a pas donné du coup. Ouais, bah oui, là, faudra m'en dire. Sir. Moi, j'en ai marre. Vivement. Liste des comptes. Si tu t'en vas, je vais me faire virer moi. Ouais, je sais. Y'a des chances. Non mais je vous montrer. Les gars, dans la vie, il faut pas s'en faire. Moi, je m'en fais pas. Hein. Liste des comptes. Aidez, je vais te suivre. Alors, Ivar, tu m'as donné ou pas? J'ai donné 983 000 tout pile. Combien? 983 000. Pourquoi 900? Comment? Parce que j'ai 4, 3 trucs que j'ai dû payer. 350, 140 et 483. J'en profite pour vous dire. Moi aussi, je t'aime, monsieur le ministre, je vous aime. Moi aussi, je vous kiffe. Et quand vous marquez complicité de meurtre, marquez ouais. Si c'est sur un agent de la fonction publique, soit vous, ou sur un civil, parce que je me retrouve avec des dossiers où il y a les avocats qui demandent. 480 000 sur qui. Et on n'a pas de précision. D'accord. C'est ça que tu m'as dit? Marquez 483 000. Sur, c'est qui tire sur qui 483 000. Ah, okay, bah, c'est pas possible. Un million. Bah, c'est pas possible. Pourquoi? 350 plus 140 plus 483. Ça fait 490 plus 483, ça fait 800, ça fait 973 000. Hein? Bah oui. J'ai donné 983 000, c'est pas grave. Bon, ok. Jora, tu m'as donné ton pognon ou pas? Non, pas encore, je suis là. Bah vas-y, donne. C'est pas dans les toilettes. Si, viens avec moi. Qu'est-ce que tu fais? Je ne rappelle pas moi tout ce que vous m'avez donné là. Voilà. Pourquoi tu me donnes ça? Et parce que c'est ce qui est sur le doc. Mais j'ai pas ça moi. Quoi? Pourquoi il faut tout un... Oh, je comprends. Moi je comprends rien. Vous connerez. Franchement, je comprends que dalle à ce que vous me donnez. Je vous le dis direct. Hein. C'est parfait. Vous voulez gagner mon commandant? Ça c'est bien. Toutes les amendes à demander. À l'aide. Vous avez besoin de Viper Lead. Non mais laissez-le. Non mais franchement je comprends rien à vos pognons là. Qu'est-ce qui se passe les gars? Toutes les amendes les saisies mon commandant. Non mais attends, là je vais sur le site. D'accord, on est d'accord hein. Oui. Administration. Parce que là vous... Dans liste des comptes. Sans déconner. Alors franchement là tu m'apprends un truc. Ah non mais on sait jamais. Je vais dans liste des comptes. Passé, là. Là j'ai Ivar, 350 000. Jora. 250 000. Ivar, 140 000. Et Ivar, 483 000. Voilà, bah ça, c'est les, ça, c'est les comptes d'aujourd'hui. Donc, Jora, pourquoi tu me donnes 2 millions? Ivar? Oui. Faut qu'on parle. Eh, Dédé. Ah, Dédé. Amende ouais. Avec un A. C'est normal que ça pleuve des policiers sur le toit. Qu'on parle, là. Tu fais une vidéo. C'est à quoi? Que ça pleuve des policiers qui tombent du toit, c'est normal? Ah non, non ça là. Dépend. C'est CPA. Ah oui, c'est CPA. Bah en fait parce que regardez sur le doc commandant. Il est où? Ah il est là. Ok. Commandant. Oui. Regardez sur le doc. Quoi? Quand vous allez dans. Ah, je suis déjà en train de courir. Vous allez dans. Ah, c'est pas police. Ah. Hein? Liste des amendes. Ah non liste. Ouais. Des scouts, ouais. Liste des comptes. Ouais. Là quand il y a Viper et là vous voyez. Je t'en supplie. Et là vous voyez. Quand tu marques amende. Avec un E s'il te plaît, avec un coup de. Oui, bah je comprends rien.
Tout le monde a été payé dans Viper? Ah, pour les gars de Viper qui n'ont pas été payés, venir me voir. Si j'ai de l'argent, je veux bien de retour. Ta gueule. En ski, c'est bon. C'est bon, mais comme toi. Trop tard. Vraiment? Moi aussi, j'ai un deuxième. Moi, c'est trop tard. Dédé, moi, je veux comme toi, on a plus 4. Qui n'a pas été payé? Pas de fil là. Alors, c'est qu'une avance, hein. Vous énervez pas. C'est qu'une avance, hein. Redfield là. Il est où là? C'est une avance, c'est une très belle avance. Bah non, c'est une petite avance. Petite avance, hein, même. Ivar, c'est bon, odeur. Toute petite. Je te la filer, tu la donnes à qui tu veux, tu te démerdes. Vraiment minuscule, hein. Je la veux bien, odeur, je suis très pauvre. Odeur, rappelle-toi de ce que tu m'as dit quand on était encore marchand. Toi, ta gueule, t'étais moche. Tu m'as dit, ouais, tu vas partir vite. En fait, je vous explique. Le sous-lieutenant m'a dit, une fois qu'on a atteint les 20 millions, le reste est pour la personne. Qui... Voilà, c'est pour vous. Donc moi, du coup, j'ai dispatché 20 millions à 16. Mais du coup, là, on a un petit problème. Femme ta gueule, toi. Et j'ai pas de bon commandant. Moi, c'est ce que j'ai compris. Hein. Non, c'est pas ça. Ah non, c'est pas ça, non. Quoi, c'est pas ça? Faut que vous me donniez tout ce que vous avez sur moi. C'est ce que tu dois garder pour payer à la fin des deux semaines. Et à partir du moment où tu as tes 20 millions, en gros, jusqu'à la fin des deux semaines, nous, on garde l'argent des amendes. Bah, c'est ce que j'ai fait, là. T'as aidé? Non. Ouais. Là, tu nous as redonné de l'argent. Elle a pas eu son argent, Dédé. C'est normal, elle va d'arriver. Bah, pourquoi t'as divisé en 16 alors? Faut la diviser en 15. Bah non, elle est 17ème, elle. Non, elle est 16ème. 17ème. 17 ou 16 de base. Voilà. Attends, mais commandant, mettez les debuffs. Bah, Okai 1, Rachel 2, Dumas 3, Odor 4, Kelvin. Allez, 5, salut. Maxime 6, Douglas 7, Vinny 8, Aivar 9, Dylan 10, Mike. En avant! What? Ouais, nous aussi, au moment où la sécu arrivera, on devra décoller. Pas du tout bon ce match-toy. Si, Odor, Dédé, c'est 17. Dédé, faut que tu ranges ton hélico, du coup. Ah, c'est mon hélico, non? Salut, toi. Et sors-le dans le garage normal. Range-le dans le garage normal. Sachant que moi, je me compte pas dans les salaires. Vous êtes pas sur la bonne radio, monsieur? Oh, ça va, hein, ça suffit. Hein. Sachant que je me compte pas dans les salaires. Range-le dans le garage normal. Nous laisse les communs. Nous laisse les communs. Oh, bah putain, t'es mort, hein. Ah, à l'étage. Non, mais vous inquiétez pas, Viper, c'est YouTube. Je peux pas être méchant, hein, mais. Alpha pour Doc. Transmettez. Est-ce que vous pouvez appeler la CSU, s'il vous plaît? On a une place de commun. Je sais pas combien il est en commun. Affiche, je m'occupe. Maintenez-le. Je le descends déjà. T'es pas tout seul. Allez, en avant! En avant, Octavia! Ça a bien sauvé le monde. Du coup, les armes sont déséquipées. Ouais, bah c'est normal. Ouais, toi. Cooper! On lui tue. Du coup, les Vipers, là, on fait quoi là? Pour tous les Vipers, on prend nos véhicules et on part direction Pyrgos. Faut que ça rentre bien pris. Fin de soirée, ça cause pas les masses, hein. Fonce. Oh. Unité mort. Je comprends rien en fait au salaire. Mais en fait je comprends pas parce que. Mais moi non plus je comprends pas. J'ai regardé la liste des comptes. Il y avait au moins 4 pages. Là il reste plus que 4. Bah c'est ça en fait. Il reste plus que 4 avant. Il y a écrit 18 millions sur 20 millions. Et 4 ça fait pas 18 millions. Bah non.
C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Je dois aller voir Martine, je montrerai avec le doc BA une fois reconnecté. Bon allez les gars, direction Pyrgos ou je sais pas où, là, vous faites ce que vous voulez, vous m'organisez ça, c'est parti. Faut que ça percute. Faut que ça percute un peu là, s'il vous plaît. Je veux pas du moment de répit trop long là. Allez, gaz, 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 gaz. Il veut Snip par contre. On s'en fout, gaz. Il a dit qu'il voulait une fin de service pendant un quart d'heure. Ah, ouais, mais du coup, je suis tout seul avec Doc. Bravo, ils sont trois. Je te rejoins parce que je dois aller voir Martine de toute façon. Dépêche-toi. Maniez-vous le cul, putain. Si vous avez besoin de moi, vous m'appelez en long. Ouais, c'est ça, ouais. Ah, allez, gaz. C'est pas 50 mètres de base entre les voitures ? C'est ce que j'allais dire, regardez vos distances de sécurité, les gars. Y'a des Syrah ce soir de présent ou pas ? Ouais, est-ce qu'il reste des CPA ? CPA, ça tue pas beaucoup les C3 ou 4. Oui, moi aussi je t'aime. Chante-moi une chanson, Octavia. Allez, vas-y, chante-moi une chanson. Non. Ouais, bah voilà, les droits d'auteur. Allez, vas-y. Ah, les droits d'auteur. Voilà. Bon, bah vous n'aurez pas de rediff demain, à cause d'Octavia. Tu veux pas que je mette de musique ? J'ai dit chante une chanson ! J'ai pas dit mets de la chanson ! Mais si ! Je sais pas chanter. Pirouette, cacahuète, c'était une belle étoile qui chantait tout là-haut, qui chantait tout là-haut. Tu vois, tu chantes. Dédé est le grand champion. Pirouette, cacahuète, Dédé est mon idole. Je l'ai aimé toute ma vie, je l'ai aimé toute ma vie. Dédé est mon grand idole, pirouette, cacahuète, et Dédé est une idole que jamais je n'aurais aimé, que jamais je n'aurais aimé. Voilà, tu vois, pas compliqué. Ça va, tu chantes mieux quoi. Ouais, c'est vrai. Moi, je sais pas chanter, toi t'es une star. Ouais, je sais, je suis une star du rock'n'roll. Ron de la Mollet. Ouais, vivement que je fasse The Voice. Dédé le chanteur. Oh oui, c'est même sûr. On verra la télé dans les journaux. Tout nu, dans un magazine. Cédric Spring fait beau le tout nu. Qui a et tout nu. Je serais tout nu dans un magazine, Octavia, t'imagines? Ce serait génial. Il y a un armoire de véhicule là au niveau du garage. Mais c'est déjà le cas, les gars, vous faites chier. Vous êtes tous des ringards. Il y en a que pour les roulettes et Blobs. Et moi, rien. Foxtrot, on reste en appui pour. Vous vous rendez compte quand même que j'ai aucun message sur le chat quand même. Allez, tous les Vipers en position. Alpha, vous regardez le véhicule. Il est vide et je suis pas sûr qu'il y ait une plaque là-dessus. Alors, je relâche le paquet, encore une fois, voilà. Alors, pot ou pipo ? C'est un véhicule illégal, ça, hein ? La grande muraille de Chine fait 100 km en tout. Pot ou pipo ? Oh la vache. Non, je m'en fous rien. Non, pipo, elle est plus grande. Y'a rien dedans. Alors ? Octavia ? Hmm ? La grande muraille de Chine fait 100 km de long. Pot ou pipo ? Alpha, on repart. Ça veut dire quoi, pot ou pipo ? Pot, ça veut dire oui, pipo, ça veut dire non. Pour tous les Vipers, on repart en Pyrgos et on remontera direction Sofia. Moi, je dirais pot. Peut-être un peu plus. Ouais, bah moi, je dis pipo, 6700 km. Ah oui. La grande muraille de Chine fait 6700 km. C'est quand même impressionnant. Hein. Et moi je suis sur Twitch, je suis en train de faire un jeu RP et je mange une danette. Oh. C'est génial. En direct en plus. Des millions de Français vont me voir en train de manger une danette. Que c'est bon. Placement de produit. Quel bol. Que c'est bon une danette. Vanille, parce que c'est toi. Ouais, chocolat.
Nicolas, je te remettrai sur les seins. Hein? Allez, pour tous les Vipers, direction Sofia, on passe par le traitement de cigare et on fait la... On essaye de mettre en place tenaille pour voir ce que ça donne. Que c'est bon le chocolat. Recherche alpha. Foxtrot. Hein? J'aime pas. Bravo. T'aimes pas le chocolat? On part en avance pour détourner du coup la fabrique. C'est des trucs que tu fais au chocolat, c'est ça? Donc je répète, pour ceux qui n'étaient pas là hier soir, Alpha, Bravo, Charlie, vous passez par le nord, nord-nord-ouest, nord-nord-est. Est-ce que tu aimes la banana split? Sud, sud, sud-est, sud, sud-ouest. Ah merde, toi t'es chiant, t'as comme bonzeuse. Hein. Oui. Putain, qu'est-ce qu'elle est casse-couille celle-là aussi. Hein. Oh genre les glaces au chocolat, j'aime pas. Les gâteaux d'anniversaire chocolat, j'aime pas. Chocolat noir, j'aime pas. Elle aime que le chocolat en vrai. Pas R6 après. Vas-y, il demande si je fais un R6 après. Pipo au plus grand là. Putain, y'en a qu'un qui suit, c'est mat. Quoi. Hein? Ouais, c'est ça, ouais. Allez tous vous faire foutre sur le live. Hein. moi j'ai dit Octavia préfère la chantilly. Alpha. Ah. Octavia, tu préfères la chantilly ou pas? Foxtrot en position. Je préfère le chocolat blanc. Ah, elle préfère le chocolat blanc à la chantilly. Je vais peut-être en mettre partout sur mon corps. Tu sais ce que c'est la différence entre un policier et un commandant? Le commandant est plus beau. Non. Commandant, on en a une plus grosse. Et ouais, et ouais, et ouais. Charlie en position. Non, mais à un moment donné, il faut le dire. On a une plus grosse que tous les autres policiers. Non, je te parle d'une arme. Tu pensais à quoi? Eh, tu me mets, tu m'embrouilles la tête. Avec la longue portée qui part, la courte portée qui part. Tu parles de la radio ou tu parles de... Oui, allô de... Octavien de... Oui. Tu parlais de la radio là? Tous on va voir le traitement. Non. Top. Parce que moi aussi j'en porte une longue. C'est hier, je crois qu'il a bien fait son taf. Ta gueule. Allô Doc. Foxtrot, traitement RAS pour le moment. Oui. Hop là. On a reçu, donc on part direction oui. Sofia. Ah, ça part Sofia. On passe par Sharkia. En avant, cavalerie, sautons sur Octavia. Non. Toc. Wow. Et toi, rends-moi mon collègue. Fox. De quoi? Rends-moi mon commandant. C'est toi qui l'as, ton commandant? Ah oui. Ça, c'était non. Je t'ai vu dans le Strider. Bah oui, je suis monté, mais je suis redescendu. T'es pas vu descendre. C'est normal, je suis trop rapide pour toi. Bah, je reviens. Salut, Paul Moissonnier, comment tu vas? Bienvenue sur le live à cette heure tardive. N'oubliez pas que vous avez le giveaway encore en cours. Le jeu gratuit offert. Oui. C'est Octavien. T'es trop rapide, on est d'accord. Ouais, super rapide. Moi je fais c'est l'amour bon. 10 fois en une minute. C'est pas ça que tu parlais. Mais j'allais dire un truc de style là, mais. Quoi? Tu m'as dit. Salut Divimator, merci d'avoir follow la chaîne. Je t'invite également à venir sur le Discord communautaire pour jouer à R6, Apex ou tout plein de jeux qui se jouent à plusieurs. Et sur YouTube pour voir les gameplays et les lives. Merci à toi. Bienvenue mon loulou. Bienvenue dans la communauté. Bienvenue dans la famille. Et on lui dit bienvenue, mes anciens. Tu peux pas t'en empêcher. Bah non. En plus tu regardes là mais je suis là.
C'est parce qu'elle te touche déjà par là. On m'appelle Dumbo, c'est pas pour rien. T'as des grandes oreilles. Exactement. J'entends tout de loin. Je pense que t'as que ça de grand. Du coup, on repart. Et quand je pète, ça fait de la trompette. Hein? J'ai pas compris. Un coucou de tous les marines. Au passage, t'as un coucou de tous les marines. Oh l'enculé, c'était toi le marine. Le salaud. T'as aimé mon je te mets un coup de sabre et je te réanime, et je te mets un coup de sabre et je te réanime. La rediff sera postée quand dans la nuit. Davimator, dans la nuit. Enfin, juste après le live, en fait. En fait, ce que je fais, c'est qu'après, je fais mes petits coucou, mes petits au revoir. Généralement, je poste le live et après, je le rediffuse sur YouTube. Généralement, il est prêt en haute définition le lendemain, dans la nuit ou le lendemain matin, il sera prêt pour le petit déjeuner. Voilà, voilà. Comme quasiment tous les jours. Et comme je suis plus en vacances, il n'y aura plus de matinale pendant un moment. Je suis déçu. On ne verrait plus tous les matins en maillot de bain. Ou en caleçon. Je veux des points en Blobs. Alors Blobs n'a pas la commande des points, il n'y a que moi qui l'a. Ça c'est faux. Oh là là. Non, c'était pas mon pote. Non, c'était mes potes, Mikado et Nico. Ah ! Mais je pense qu'il a pas rigolé parce que il y en a un qui a fait la gueule. Octavia, si tu savais tout le mal que l'on m'a fait. Octavia, si je pouvais dans tes bras nus me reposer. Évanoui, mon innocent. N'empêche que j'ai pas pu porter plainte pour mon auto et ma batterie. Oh, David, lol. Bah ouais, mais tu fais pas le Tarzan aussi, donc c'est normal. T'aurais fait Tarzan, j'aurais pris ta plainte. T'as pas fait Tarzan, je prends pas ta plainte. Ralentir un peu. Y'a pas le bas, tu vas vers ma maison remplie de drogue, d'armes et de filles de 5 ans en tant que prêtre. Foxtrot, j'ai cassé, on répare et change de conducteur. Ouais, c'est mieux. Standby pour tous. Octavia, si tu savais tout le mal qu'on me fait. T'inquiète pas, Didier. Octavia, si tu pouvais sentir ma bite, mon âme se renforcer. Okay. Hein? Pardon? Allô? Quoi? On fait le point? Ah! Je suis en coup de boue, quand même. Putain. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Arrête, allez, qu'est-ce que tu fais avec ton canon là? Oh, aïe! Aïe! Putain! Je le pose. Comment ça? Et tu profites pas de mon corps, s'il te plaît. Ok, d'accord. C'est parce que c'est toi. Mais. Comment s'appelle Ivar, je passe à moi du coup. Ah, mais toi, Dédé. Hein? Moi, je crois que c'était une proposition. Hein. T'as trop de mystère. On peut repartir? On peut repartir. Décidément, on y arrivera jamais. Hein. Oh. Les petits poissons dans l'eau nage dans l'eau. Ah, les crocodiles. J'ai trouvé une arme illégale. Ouh, super. Félicitations. Je suis à Kavala. Eh ben écoute, génial. Spéfoco, quand est-ce que on aura le bâtiment pour le casino? Tu sais? Parce que ça devient chiant, les gens qui s'amusent à crocheter toutes les voitures dans le parking. Mon cher Omega, je t'invite fortement à faire un email au développeur. Bien le staff. Voilà, tout simplement. On va discuter de vous ce soir. On trouve ça inadmissible de mettre un casino illégal, légal. Vous êtes tous virés. Next. Une autre question? T'es là, Maxime? Octavia. Ah, je savais pas. Octavia. C'est moi. Bravo, Alpha. Ça te dirait d'être chauffeur?
privilégié du commandant. Vous préférez un mercredi ou un samedi? Hein? Oui. La voiture est cassée là. On s'est arrêté, on va l'aider, tiens. Mais attends, tu parles en service ou en service? En service? Ouais, bah allez, vas-y. Allez hop, t'es ma chauffeuse. De toute façon, maintenant je suis écho. Pour tous les nuls, ça va. Oui, mais après tu vas partir. Allez, on se met tous en position autour. Alpha, vous interceptez. Moi, bientôt, je serai plus Viper. À tous les coups, c'est Rampage qui sont. Qui se sont empliés par là-bas. Hein. Ils devaient aller vers Sophia tout à l'heure, donc. Ouais, mais ils sont censés ne plus avoir d'armes. Affirmatif, par contre. On est d'accord. Ah, ils devaient les ranger du monde dans leur véhicule. De ce que j'ai compris. Ouais, mais le véhicule rempli d'armes, il est où? C'est dans leur véhicule, hein, c'est nos véhicules. Ah, je croyais qu'ils devaient ranger des armes dans un véhicule. Ah, c'est bien ce que j'avais cru comprendre tout à l'heure. Vous n'étiez pas compris. Ah. En fait, ce qui a été fait, c'est qu'ils ont eu se ranger, bah moi de mon point de vue, hein, je crois, ils ont eu se ranger leurs armes dans leur véhicule et ils sont repartis. Hein. Je crois qu'il y en a un qui a ses armes. Ils leur ont fait ranger leurs armes dans leur véhicule. Ah ouais, mais j'ai compris. Tu veux pas que je l'aide avec sa voiture cassée, qu'est-ce que je fais? Eh bah tu l'aides. C'est reçu. Il est parti en direction de... Sophia. Il est parti à gauche. Tout à fait. Mais bon, il y a deux Charlie, on a cassé. Comment vous avez fait pour casser? On attaque dans le véhicule involontairement. Monsieur, je vous conseille de vous arrêter, comme ça on vous répare, et point. Délit de fuite là, non? Affirmatif, il a pas voulu, il roule avec un véhicule cassé, il s'arrête pas, délit de fuite. S'il est un peu quand même fou de rentrer dans un véhicule 12 tonnes comme ça sans pression. Et bien c'est celui-là, je comprends vraiment pas pourquoi il s'arrête pas en fait. On reste sur la colline de manière à spot d'éventuels véhicules Rampage en approche. Ouais, parce que je pense que c'est ça en fait. Pour le moment, rien à signaler. Autorisation takedown pour Foxhunt. Oh, fille. Charlie, on repart. Bon, allez, arrête-toi. Arrête-toi, l'ami, là, t'es tout seul, là. Arrête-toi, là. Arrête-toi. Oh, il y a du monde là sur la colline. Allez, il y a du monde sur moi. Je discute avec eux, là. Faut m'expliquer, hein, bordel. Oh, l'enrouki. Tu l'as dit, quoi. T'es bouché ou quoi? Ah, c'est l'enrouki tout à l'heure. Mais qu'est-ce qu'elle est dit? Moi je me chauffe. Alors, tu veux discuter, c'est ça? Mais non, je vraiment pour venir. Oula là, je chauffe. Foxtrot, on se positionne au niveau de la maison sur la colline d'en face. Vous faites quoi? Vous faites un barbecue ou quoi? Non, je veux juste faire comprendre à ce monsieur qu'il a pas roulé avec un véhicule cassé parce qu'il peut être dangereux pour les gens. Alors qui vient? T'as pas compris. Client. C'est ma photo ou quoi? Tu veux me prendre en photo et tu veux me mettre sur la table de nuit ou quoi? Ouais, vas-y, viens, on fait une photo là. Allez, vas-y, petite photo. Vous êtes prêts? 3. Allez, prends la photo. Prends la photo. Seulement lui. Allez, prends la photo, c'est bon. Allez, 3, 2, 1, photo. Alors, clic. Allez, voilà, c'est bon. Photo, voilà, c'est bon. Allez, bah, c'est reparti. Voilà, merci beaucoup. Touche, nous on t'appelle, belle noire. La team mal à la tête. Je suis chaud là. Pourquoi il lui sent les pieds devant? S'il vous plaît, aidez-moi, il est en train de me caresser la tête, le monsieur. T'as vu comme t'es belle avec sa coupe? La seule caresser la tête. Il me pisse dessus, le monsieur, là, je l'arrête pour autre chose ou pas là? Affirmatif. Mais tu restes courtois et ouais, ça va. Tu me parles calmement. Il y en a qui viennent me pisser dessus. Lui là. Ils sont en bocasse là, ils viennent me pisser dessus. Avec les virements. Allez, on bouge. Allez, à toute la police, on bouge. N'oubliez pas que c'est des rebelles et des putains de mercenaires qui sont recherchés par la loi.
Ouais, et ils sont en train de fouiller dans mon véhicule. Y'en a un qui monte avec moi, je le. Y'en a un qui monte avec moi. Ah bah tu fermes le véhicule à clé et tu pars. C'est fait. Voilà, bah on se casse direction BA. Il m'a pissé dessus en plus. Ah bah justement, outrage. Ah y'a blablabla. Ils sont légèrement débiles en fait. Ouais, affirmatif. Parce que même pour le véhicule qui a cassé, c'était pas compliqué de s'arrêter et de ne rien risquer. Exactement. Sachant qu'en plus on a fait un pacte avec eux juste avant quoi, ils sont un peu... Neuneux. Le faire, bon, on va procéder au tirage au sort du giveaway. Vous étiez très nombreux à jouer à ce giveaway, à ce concours. Donc, le gagnant ou la gagnante est. Ce sera affiché dans le chat. Attention. Roll it. Et le gagnant est. Oh, Yadri 26. Non. Davy Mator. 91, félicitations à toi, tu as gagné le jeu gratuit offert par Springfellow TV. Félicitations. Donc je t'invite à m'envoyer un petit post sur Discord avec et je t'enverrai tout le nécessaire pour télécharger ton jeu Uplay gratuit. J'ai un véhicule derrière moi. Tout le monde s'en fout, c'est génial, moi j'aime bien. Bon, ok. Est-ce que tu es là mon petit Yadri 26? Non, Davy Mator, pardon, 91. Davy Mator, es-tu là? Davy Mator, si tu es là, fais-moi un signe. Vas-y, Dave. Ok, tout le monde. Okay. Il est où l'autre, là, le rebelle, là? Le rebelle? Bien pris. Ils sont restés dans le nord, c'est ça? Davy Mator. Eh bien, écoutez, si Davy Mator est décédé sur le chat, pas tant pis pour lui. Le... T'es pas censé aller dans le nord-est aussi, les gars, suite à la dernière négociation, mais ok. On devait pas aller là-bas, c'est ça? Ah, Eden, on devait pas aller là-bas, c'est ça? Bah oui, normalement, d'après la négociation de Gobineau, ils restaient dans le nord-est et nous, on les faisait pas chier, mais sauf s'il y avait problème avec les citoyens, on y allait. Voilà. Après, je suis d'accord, c'est okay. Notre territoire, mais bon. Ah non, mais de toute façon, oui. C'est ce qui va se passer, Jess. S'il n'est plus sur le live, il n'aura pas le jeu. Il sera remis en jeu demain soir, pour le dernier soir, 20h30. 20h minuit, hein? On est sur le territoire gouvernemental, on est chez nous, point. Mais territoire gouvernemental ou pas, ça n'empêche qu'ils n'auront pas pissé sur les gens. T'es en train de laisser un mec tout seul, ah, tous les gens, en fait. Et à tous, pour information, il y a un mec isolé tout seul sur la route, c'est normal. Un collègue. Allô. C'est normal qu'il y ait un policier tout seul. Tous en position, c'est sur le bord. Il avait pas cassé. Hein. Il trace le véhicule à Oh, il y a un micro-mètre. Oh, c'est Connor ? Les gars, vous avez Connor ? Qu'est-ce que vous avez foutu ? Les gars, les rampages sur votre position, ils sont pas armés depuis tout à l'heure. Qu'est-ce qui s'est passé ? Les gars, et vous faites pas de la merde. Bah, ils ont mis des gens comme moi, apparemment. On a une Shelby avec 4 personnels non armés qui sont derrière notre position, faites attention à vous. Cobra Lead pour Viper Lead, est-ce qu'on pourrait savoir ce qui se passe, s'il vous plaît? Les gars, t'as mis leur collègue comme. Ça répond pas à la question, il se passe quoi? Il se passe que un de leurs hommes a uriné sur un officier de l'ordre. Donc c'est. Il est monté dans c'est quoi le coma? Le coma, s'il vous plaît, c'est justement, quoi on essaye d'avoir l'information. Comment le personnel est tombé coma? On a pris une herse. On a pris une herse et après il est tombé coma avec son hélico, le mec il lui a rentré dedans comme un débile. Ok, c'est entre eux en fait.
Je l'ai embarqué dans le trader pour y être. Donc okay, vous allez tous en dégager et on repart tous direction oui, BA. Aussi, donc je demande un médecin à la BA. Alpha, on doit réparer la voiture, on a besoin de protéger. Tu t'es occupé du message? Non, tu l'envoies, c'est à toi de le faire. Ok, ok, j'ai cru. Non, reste à côté, ne vous inquiétez pas. Il y a deux véhicules. Foxtrot, on a trois véhicules sur zone hein, autour de vous. On n'est pas censé retourner à la BA là? Ah, ça si va, on est en train de parler. Bon, oh, pas tout le monde, les gars. C'est bon, Alpha, on est reparti. Bien pris du Cobra Force, on repart avec vous. Ouais, je suis merci. J'ai un V4 qui survole le truc. Cobra Lead à tous les Cobra RTB. C'est reçu le Cobra Lead. Est-ce que tu peux bannir Omega Fire Farmer, s'il te plaît? Attention OR si on arrive devant la BA. Je suis en train de suivre une de leurs voitures dans le cas, je si jamais. J'ai fait percuter le L4 qui se pose devant la BA. Tranquille. C'est quoi ce L4 là? C'est un L4 d'un Pax. Je sais pas. C'est un L4 en pêche parce qu'on est parti au nord-est et ils sont permis de nous pisser dessus. Au sens propre du terme. Rentre dans la BA, rentre dans la BA tous. Pour tous les cobras, je vais vomir. On va arrêter de descendre. Allez, pour tous les Vipers, vous mettez en position dans la BA, il y a l'équipe qui a le PAX qui le traite. On reçoit un SCA, c'est Doc. C'est un PAX quoi qu'on a? C'est un PAX en page? Affirmatif, c'est. Apparemment, ils sont devant la BA, ils ont le gentiment qu'on leur rende. Ah, mais du coup, ça veut dire qu'on peut se faire rush BA? Mais bien sûr! Mais vous au mur là, il peut vous tirer dessus, les gars! Hein. C'est pour ça que je vous ai dit tous en position, les Vipers. Et clean radio. De Scott, je suis en face de la BA avec deux brigadiers Sierra, on essaie de voir quand c'est. Des coupures sur un L4 pour les distraire les thermiques. Dédé? Ouais. Pourquoi on sort pas une douche queue? Au cas où. Bah y'a quoi se mettre en position de la BA? Hein? Bah y'a un peu comme noir sur la rampage. Dédé, tu veux faire une douche queue? C'est en ligne? Bah ouais, le crawler. Bah vas-y, sors. Allez, tous les Vipers dans les tours autour de la BA en position là. Allez, j'ai une tour à l'entrée du port au niveau du portail qui est vide. Hein? J'ai une unité Viper là dedans. Du coup, si j'ai bien compris, c'est vous ne rendez pas le PAX. Bah non, pas de. C'est ça. Mais avant, on va tous se relève. Du coup, non, on le rendra pas parce qu'il s'est pas mis de nous pisser dessus. La fille, vous le verbalisez pour outrage? Ouais, affirmatif, mais là on attend la sécu pour qu'il puisse le relever. Enfin, il y a un deuxième L4 qui me donne. Pour tous, le deuxième L4 semble armé. Sors de la mer. Ah, puis ça a sorti les armes, les gars, ça a sorti les armes. Attendez. Ouvrez la face de la base. Donc, mon collègue. Ouais, c'est commence à devenir agressif. Ne regardez pas, je suis avec une personne très calme qui négocie, qui est en train de transmettre à la RAD. Pour tous, mettez vos masques de combat.
va pas, hein. Elle est où ta perruque? Lise. Pour info, j'ai y a une visée sur le pilote, hein. Regardez. Ok, il se pose. Baisse ton arme. T'es qui pour me dire baisse ton arme, toi? Moi je vais te dire range ton arme. Va voir là-bas si on y est. Pour tous les Vipers, vous répondez pas à leur provocation. C'est comment? J'ai un coma à l'étage à cause du mur cuir. Tu le descends plus rapidement. Dans le garage. Donc Cobra, donc Scott pour tous. Non, c'est bon, c'est bon, lâche-moi. Qui en face de la BA, qui sont d'accord pour qu'on négocie, enfin, qu'on verbalise le Pax qui est à l'intérieur de la BA, à condition qu'on le relâche après, mais pour outrage, il n'y a pas besoin de le. De ah, c'est intéressant, on relâche un petit derrière. Voilà. Donc soyez calme, ne relâche pas l'agression, on verbalise, on relâche. Et qu'est-ce qu'on fait de la personne avec l'arme illégale et le gilet illégal juste devant la BA? On va interpeller les gars, oh! On est policiers, on n'est pas des tarlouses. On interpelle le gars armé là. Pour les docs, j'ai besoin de vous à l'étage s'il vous plaît. Le coma est revenu, mais il est. Je réitère de doc, je vous ai dit de me descendre. Il n'y a pas. Mais pas il est revenu, oui, on est en train de faire. Alors, c'est le commandant des dégâts. Ah bah, il fait descendre alors. Ok, il y a encore un Range Rover qui arrive. Un Range Rover. Voir les docs, nous sommes dans le garage. Recule s'il te plaît. Et un Range qui arrive en plus. Cali, il faut fermer les portes parce que les portes de la BA sont dans des tas. Les portes vitrées de la BA sont dans des tas. NRF 6 noir. T'as pas la stunner à ton mal? Il y a une Range qui s'est posée devant la BA, il est armé. Ah bon, mettez-moi des points sur carte. Donc pour tous les Vipers, vous mettez en position et vous récupérez vos binômes. Je vais voir par binôme. Donnez go pour tous, écoutez, on a reçu communication des supérieurs de la Rampage. Ils sont d'accord pour le fait qu'on verbalise, qu'on mette même le double, ils s'en foutront complètement. Néanmoins, du coup, ils coopéreront jusqu'à ce qu'on libère le Pax une fois qu'il sera verbalisé. Est-ce que ça vous convient? Affirmatif, mais le Pax risque de ne pas être réanimé, il va sûrement mourir. Bon, c'est quoi le problème là? De quoi? Qu'est-ce que t'as toi là-bas? C'est quoi le problème là? Le problème c'est que vous avez embarqué notre collègue. Hein. Bah c'est normal, il pisse sur mon collègue, donc c'est normal que je l'embarque. Alors, il aurait pas mon véhicule. Et alors? Eh ben il a pas pissé sur la gueule de mon collègue, tu vois ce que je veux dire ou pas? Eh ben il l'a réparé mais il lui a fait pisser dessus donc on l'a embarqué. Donc voilà, par contre ce qui me plaît pas c'est que tes zigotos de collègues là ils viennent armés là. Tu vois ce que je veux dire? Vous savez que vous voyez une personne armée là. Ouais ben sur les hélicoptères, tu vois j'ai des photos à l'appui. Donc là moi je vais dire mon garçon exactement. T'en ça normal toi? Que les mecs ils se débarquent là armés comme ça là? Tu crois que demain je vais te croiser que ça va bien se passer? T'as du masque pour Douglas, tu rejoins ma position. Bah ouais mais non, ça va pas marcher comme ça garçon. Là, tu viens avec tes potes armés, là. Ça va pas se passer comme ça demain. Ouais, non, mais non, fais pas ton malin. Moi, je te dis, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Maintenant, vous allez rentrer dans vos bagnoles, vous allez dégarpiller dans Sofia et que ça saute. T'as compris? Bon, je pense que c'est toi que t'as pas compris, en fait. Bon, bah alors, voilà, ton collègue, il est verbalisé. Il va se rendre le casier, il va se barrer. Et toi, tu prends tes zigotos et direction Sofia. Allez, hop, je vais plus vous voir. Allez, hop, on dégage. Alors, on a le droit de revenir sans équipement. Exactement, tant que je te vois pas avec une arme, ça me dérange pas. Voilà. Moi, ce qui me dérange, c'est l'arme qui est là-dedans. Moi, c'est simple. Dans 15 secondes, si c'est pas rangé, c'est vous qui cherchez la merde, j'y répondrai. 15 secondes. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Allez, rentrez chez vous là. Rentrez chez vous là. Rentrez chez vous là. Voilà. Non mais attends, les gars c'est comme ça qu'il faut négocier à un moment donné. Hein. Faut pas être gentil avec eux. Hein. Et Nico qui est en stade toujours au-dessus de la BA, on en parle ou pas? Ouais bah tu lui laisses 10 secondes, tu le regardes, tu lui laisses 10 secondes. S'il est armé, vous faites la Soma. Affirmatif, Soma, il a armé. La Soma est déjà faite depuis qu'on a amené son pote, non? Affirmatif. Donc, en soi, il est menotté ou pas? Ah, Phil est noté, embarqué chez nous.
Bon, bah vous laissez tranquille. Faut juste faire gaffe à ce que là. Laissez partir, laissez partir. Ça va partir, vous inquiétez pas. De toute façon, moi je suis dans le problème, je suis en train de viser les LKAD. Voilà, ça bouge, donc ça sert à rien de s'énerver, les gars. À un moment donné, il y a un mec qui pisse sur la gueule de nos collègues, donc faut l'interpeller. On fait notre boulot de flic, faut pas oublier. Maintenant, ils viennent armés, c'est leur problème. J'ai relâché 15 secondes, ils sont barrés. C'est aussi simple que ça. Ça va leur faire tout drôle quand ils vont reprendre qu'il est décédé, leur collègue. C'est moche. C'est pas la faute, hein, c'est vrai. Il est mort là, le collègue ? Bah, il va mourir. Il est où ? Toujours dans le garage. CPA, vous êtes toujours dans les airs ou pas ? Affirmatif, ils sont en train de partir direction Douane Sud. Reçu. C'est ça que j'aime bien. De CPA, il revient. De CPA, seulement les L4 restent. Hop ! Bon bah voilà, rendez-vous 20h30. Cooper, j'ai un de leurs mecs qui est cassé au niveau. Et terminé. Maintenant, merci à tous d'avoir regardé Springfellow TV toute la soirée. Merci de votre fidélité, vous étiez de plus en plus nombreux comme d'habitude. Merci à tous les nouveaux followers, merci aux donateurs. Alors comme d'habitude, je vais faire mon petit speech d'habitude, mais je compte les remercier personnellement. Merci Onex, merci Bloody, merci Fais un don mon père, merci Dutch, merci Octavia, merci Johan, merci Stam, merci Logic. Merci Cheta, merci Krix, merci To, merci David Mator qui a gagné un jeu mais qui ne répond pas. Voilà, bon, félicitations, merci à tous, ça me fait super plaisir que vous soyez là. Nous sommes 363 membres de cette TV, bientôt 400. Merci à tous les abonnés, merci à Varuron pour son don de 5 euros. Merci à tous. Partagez un max Springfellow Télé. Je vous dis bonne nuit. Prenez soin de vous. Et demain, 20h minuit, altislivefrance.com. Rendez-vous. Dédé ou pas Dédé. Bonne soirée à vous. Bonne nuit. Et voilà la famille. Le streaming est maintenant terminé. Mais avant de vous quitter, je tenais quand même à tous vous remercier. Merci à tous les followers et tous ceux qui ont followé dans la soirée. Merci aux abonnés et tous ceux qui se sont abonnés. Merci aux donateurs et à ceux qui ont donné dans le passé. Merci à tous de partager Springfellow TV. Merci également de cette grande fidélité. Si tu as aimé, n'oublie pas de t'abonner sur YouTube pour revoir ces vidéos au petit déjeuner. Et n'oublie pas que tu as Discord pour rejoindre cette fabuleuse communauté. Et pour conclure, je tenais à tous vous remercier de cette énorme fidélité. Merci à tous, c'était Springfellow TV.